sert à rien. Faut pas respirer la compote, ça fait tousser. Ferme ta gueule! Que j'en ai à foutre de vos horaires, j'arrive quand j'arrive et puis c'est tout. Bonjour, sire. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Allô? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce jouet à travers de Hellseed, la graine de l'enfer. Rien que la musique du début, quoi, elle fait peur. Je l'ai vu au détour des vagabondages sur le net, je me suis dit pourquoi pas. Ça a l'air éclaté au sol, mais ça fait peur et c'est tout ce qu'on veut. N'est-ce pas? La musique oppressante, bien comme il faut. Alors du coup, je suis pas totalement dans le noir, j'ai quelques LED autour de moi, j'ai la fenêtre ouverte et c'est l'orage dehors, donc ça c'est pas mal. Donc il est possible que qu'il y ait des coupures de son, coupures de vidéo, coupures de stream tout court, hein. Histoire de bien attirer les moustiques. Bah, les moustiques, normalement, il n'y en a pas, là. Il pleut. Normalement, ils sont tous éclatés au sol, aussi. Bien, alors, du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais juste que ça fait peur. Il y a des... Il y a des... Des sauts de terreur. Des jumpscares. J'ai fait, genre, 5 minutes... Et j'ai pas eu un seul jumpscare, donc on va voir. Et ben c'est parti. Ah. J'arrive. Qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là, là? Putain. Hellseed qui essaie d'accéder à Hellseed. Voilà, c'est bon, c'est parti. Pas sûr que la pluie dérange le monsieur qui commence à se réfugier, les gens. Il est pas content, le dragon? Non, c'est... Oui, le dragon, il était pas content. Il s'est dit, tiens, Hellseed qui essaie d'accéder à Hellseed. C'est pas commun, ça. Je vais te demander ton avis. Est-ce que je le laisse ou est-ce que je le laisse pas? Il a bien fait de me demander mon avis, parce que comme ça, je sais que Hellseed essaie d'accéder à Hellseed.
C'est drôlement interdit, normalement. Mais bon, je lui dis, bon, allez. Cette fois-ci, ça passe. N'est-ce pas? Bien, alors du coup, j'ai pas du tout lu. Life of a police inspector is not the easiest one. Well, today I think it's going to be those fucking days. This morning is I received a call from the San Tomasco Clinic. Dr. DeSantis, one of the most important, bla bla bla. En gros, on est policier et on doit investiguer dans une clinique. Investiguer quoi exactement? J'en sais rien du tout. Dites-moi d'ailleurs si... Bon. Dites-moi si le son est bon ou pas. Déjà, je vais corriger un peu. Ah non. Turn on the light. Donc on va essayer de turn on the light. Et moi je vais un petit peu turn on the control. 1.5. Je pense que c'est bien 1.5. Ah, il est minuit. Attends, il est minuit. Non, il est pas minuit. C'est quoi ce... Ah, c'est le temps de jeu. Ça fait 17 secondes que je suis en jeu. Alors, ça. Ça. Ouais, c'est pas... C'est bizarre. Il y a une accélération de souris qui est un peu bizarre. Bref, on va voir. Peut-être un peu fort s'il y a des sauts de peur. Bon, on va voir. Mais là, dans le silence, on n'entend rien. Bah encore une fois, j'essaye de jongler entre le chat de Twitch et le chat de Kick. Mais ne m'en voulez pas si jamais je rate des messages sur Kick, notamment... I need a ladder for reaching the top of the cabinet. Qu'est-ce que c'est que ça? Guida Cucina. Ah oui, du coup, on est en Italie, d'après ce que j'ai lu. On est en Italie et on est en 1980. Voilà. Et on est en Italie, voilà. Et bon, on va pas tout lire, hein, parce qu'on peut pas tout ramasser, j'imagine. Bah du coup, j'ai parcouru vite fait le... Les trucs que je pouvais parcourir, on peut se cacher. Je sais qu'on peut se cacher, je sais que à un moment donné, il va y avoir une espèce de démon qui va essayer de me tuer. Et qu'il va falloir ça. Il va falloir le tourner, parce qu'il va le retourner, la tête en bas. Il va falloir le retourner pour éviter que l'attaque, enfin pas l'attaque, mais la possession build-up. Bref, on va voir. Du coup, je crois que pour le moment, bah, tout est fermé. Voilà, tout est absolument tout est fermé. Il y a juste, on va voir tout à l'heure, il y a l'étage en haut qui est ouvert. Il y a ça aussi qui est ouvert. Il y a des trucs ici qui sont fermés aussi. Je vais peut-être augmenter légèrement le son chez moi parce que j'entends rien. C'est un Phasmo version histoire en fait. Ouais, plus ou moins. Plus ou moins, plus ou moins. Là, il y a la salle de bain. On peut flush le toilet. On peut mettre l'eau. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'avais testé... Enfin, tout à l'heure, c'était pas tout à l'heure, mais... Du coup, il faut qu'on remette la lumière. Quand j'avais testé, il y avait l'eau qui coulait. Sans que je fasse rien du tout. Donc déjà, c'est bizarre. Tu peux viser le trou pour pisser aussi. Hein ? Raconte lui. J'espère que c'est quelque chose. Enfin, vous voyez quelque chose parce que là. Bon, je vais les monter. Donc, il y a un espèce de sprint, mais qui est vraiment très très léger. Là, je marche normalement. Et là, je cours. Lol. Là, c'est fermé. Ok, super. C'est un petit peu oppressant quand même. Mais c'est marrant de savoir que je ne suis pas le seul à subir ce truc-là. D'habitude, tu joues tout seul, dans le noir, et là, tu flippes ta race. Mais là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui regarde aussi avec toi, même si c'est à distance. C'est un petit peu réconfortant. Je voulais pas faire ça. Le feu sombre, ce qui est normal. Bah ouais, même moi, je vois rien, là. Arc torche, parce que c'est... Là, il y a un truc aussi fermé. Et je crois que c'est ici qu'il faut aller. On a un petit tuto là du coup qui va nous dire... Ah attention... l'entité... Et cette porte là je peux rien faire avec. C'est bizarre quand même. Il y a ce truc là aussi. Broken answering machine, eject button is missing.
Donc il faut qu'on trouve le bouton. Ça, je peux pas allumer forcément parce que y a pas la lumière. Et du coup, on a des crucifixes quelque part là. Je m'appelle Lex Copan. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je m'appelle Lex Copan. Elle est où votre panel? Normalement, c'est dans les basements, non? Petite musique bien stressante aussi. Postal Market. Bon, il faut descendre, j'imagine. Jumpscare des objectifs. Trop, putain. Pam, pam, pam. Possession, voilà. Each time the symbol appears, it means that the evil that is possessing over the doctor's house is increasing one level. Strange things could start happening. The more saturated the symbol, the higher the possession level. Be careful, when the possession reaches its maximum value, the evil will kill you. Je sais pas si on peut se cacher de lui en fait avant qu'il nous kill. To decrease the level of possession, you must do two things. Continue an investigation by finding all objects and documents which can be useful for Toscani to understand what is happening. Un petit peu comme dans le premier Amnesia Dark Descent, quand tu trouvais des objectifs, ça t'améliorait la santé mentale. Rotate upwards all the crucifixes that evil is rotating downwards. Donc voilà, il faut remettre en place les crucifixes. Ce truc là par exemple. Nothing to turn now. Et du coup là j'étais bloqué plus ou moins parce que je sais pas quoi faire. Hein. J'avais trouvé une... quelque part, j'avais trouvé une... ah c'est ça. J'avais trouvé la photo... la... qu'est-ce que c'est? Mimanchi il tao papa. Ok. Elle est un peu chelou la photo. I miss you, your daddy. Ah oui c'est écrit. I miss you, your daddy. Très bien. Je le prends comment? Je peux pas le take? Ça marche pas, le clic? Ça marche pas, le clic. Bon ben, laisse-le alors, hein. I want to call now. Ah, c'est ici. Alors, j'avais trouvé ça. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est les numéros de téléphone. Donc on est à Torino. Turin, donc. En 1980. Police report. Ah. On 12 septembre 1972, we received an anonymous avec un I reporting nocturnal noises from a house located in Borgata, Coindo, Toscana. Once in the house, we met the two spouses, De Santis Angelo and De Rossi Laura, owners of the property, who confirmed that they were the cause of the disturbing noises. The two confessed to having had a strong quarrel for personal reasons. They confirmed it was an isolated incident that will not be repeated in the future. Ok. Je sais pas si ça a à voir avec... Expired identity card, De Santis Angelo. Birth date, 5 mai 1930. Donc là, il a 60 ans. Non. 50 ans. Il a 50 ans. C'est quoi ton petit nom? À moi? Bah c'est Murilegus. Mon petit nom. Mon petit nom. À ton perso, je sais pas. Birthplace Torino, professional psychiatrist. Hair brown, eyes brown. Expiration date 1977, ça fait 3 ans. Normalement c'est 5 ans, non je crois. Du coup c'est bon hein, encore. Ok, ça je prends, je le ramasse. Berk c'est tellement dégueulasse. Bon, je vais le laisser ouvert comme quoi je les ai déjà fouillés. On va avoir la musique les gars. Enfin non, pas celle-là, la musique. Ah, c'est quoi? Ouais. Wise Blood. Ok. Est-ce qu'il y a des... ah, attends, du coup j'avais ça. Lose your necklace. Katerina, my only love, I will never forget you. This pendant is the most valuable thing I have had. I have and I always carry it with me. The sentence engraved on this pendant gets meaning only if read together with the sentence on the pendant I gave you. This will bind us forever. Every time I look at it, I realize how much I loved you and how cruel it was not being able to say I love you before I lost you forever. That terrible morning of 9 October 1972. C'était pas la date du bidule? Oh, cette musique.
Ah, c'est la dame en photo là. Percorrendo la via Cegia Konoski, retracing your steps backwards. Ok. Donc ça c'était en notre possession, je sais pas ce qu'on fout avec. Ah, c'est ici les reports. Et les police reports c'était quoi déjà? Parce que c'était en 1979 là. Comment on fait pour examiner? Ah oui, c'est ça. C'était septembre, ok, c'était en septembre. Donc peu après, il y a l'autre qui est morte. Ok, les objectifs. Donc, the house of Dr. DeSantis is completely dark. I've tried to turn on the lights, but the electricity meter probably blew. I have to get the electrical panel and try to restore the power from there. Ouais, mais il est où l'electrical panel? Alors, Mist, April 1980. DeSantis Angelo. C'est lui qui a fait du grabuge en 1972. Donc il a 50 ans, il a une fille qui est morte, du coup. De Rossi Laura, c'est sa femme. Donc il y a sa fille qui est morte. Et c'est un psychiatriste. Très bien. Ok, très bien, très bien, très bien. Prends le club, ça coûte cher de nos jours. Mais je fume pas, moi, ça me sert à rien. Enfin, si, à revendre, à la limite. C'est marrant parce que lui, il fait un bruit de clic-clic. Et lui, il fait pas de clic-clic. C'est bizarre, non? Ah, des clopes, il y en a beaucoup. Ouais. Il fumait, le petit. Il avait des clopes partout. Par contre, il les jetait même par terre. Hein. Les mégots. Super, quoi. Ah, j'entends des trucs s'ouvrir, là. Kitchen door. Cerrado. Qu'est-ce qu'il y a? I hear a noise coming from the bathroom. Elle est où, la bathroom? Ah, la bathroom, on y a été. Ça va être le premier jumpscare. C'est là, non? Ouais, c'est ça. Ah bah c'est ça! Ah! Ta gueule, toi! Qu'est-ce que c'est? Qui c'est qui s'est ouvert, là? Un truc qui s'est ouvert. Un truc qui s'est ouvert. Un psychiatriste, ouais. Ouais, pour en cacher partout, il est chelou, ton psychiatriste. Là, je commence un petit peu à avoir la flip, là. Je vais peut-être baisser le son, là. Parce que si il y a quoi que ce soit qui saute sur ma gueule, là... Bah, en même temps, il n'y a pas le metteur, encore. T'as un truc qui s'est ouvert ou je rêve? Tout à l'heure, j'ai entendu... C'est le truc en haut, non? C'est pas le truc en haut qui s'est ouvert? Ah, le text-to-speech. Je l'ai même pas entendu, le text-to-speech. Bah, on a eu l'eau qui coule. Ouais, super. Il y a d'autres choses. Ne me dites pas que ça va être comme dans Dark Occult, hein. Il faut que j'ouvre des... J'imagine des tiroirs, des machins, des choses. Ou alors c'est comme dans... Dans le jeu à la PT, il faut que tu fasses des allers-retours jusqu'à ce que le script se déclenche. Et ça va être nul, ça, par contre. Bon, il a pas encore commencé à tourner les bidules. Ah, la musique qui change. La musique qui change. Ah, merci. Bah, c'était celle-là qui était ouverte, alors. Don't mind if I do. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi ça lui? La musique. Ouais, c'est un petit peu comme le PT, il faut aller faire certains trucs. Ok, ça sert à quoi? À faire? Bon, je pense que je vais désactiver la musique parce que c'est pas que c'est... Inutilement oppressant, mais c'est inutilement oppressant. Pourquoi ces trucs-là sont fermés alors que ces trucs ils sont ouverts? Ça n'a pas de sens, voyons. Ah, attends, c'était quoi? Earthenware jar. Ah, 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 ah.
Oh, des clopes. Tiens donc. Il cache des clopes partout, celui-là. Du coup, qu'est-ce que j'ai? Waouh, j'ai des clopes. Fais-moi ça, putain. Y'a pas un numéro, quelque chose d'inscrit, là? 12 mg, 0,9 mg, 12 mg. Maroro. C'est des cigarettes Maroro. Ouvrons-les. Ah, rolled paper. Ah, ça sent. Je peux faire pareil avec ça, là, ou pas? Non, je crois pas. Ok, du coup, c'est quoi? Something appears if I know the paper, I don't reach to understand what it's written. Comment ça? Bah, zoom. Ah, Torino 1980, AF8, BC9, BD7, CA8, DA9. Pourquoi y a pas le focus? Dégueulasserie. Ok. Take. Je peux pas le take. I don't reach to understand what is written. Ok. Donc pour le moment, je peux pas le comprendre. Très bien! Ça s'est fermé, ça s'est fermé. Pourquoi il luit ce truc? Pourquoi la porte qui est fermée alors que de l'autre côté c'est ouvert? Pourquoi? Oh, il y a quelqu'un qui a pas fini de manger. Ça fait très longtemps qu'il y a... Oula, ah oui. Ça me rappelle Resident Evil 7. I need a ladder for reaching the top of the cabinet. Il y a un truc au top of the cabinet. Ladder, où est-ce que je peux trouver des ladders? Ah. Wow, what a smell! Thorazine 25, chlorpromazine, un thorazine, belong to a group of drugs known as phenothiazine, which act on the central nervous system. They are used to treat the following conditions. Schizophrenia and other psychosis, particularly paranoia, delusions and feelings of persecution, mania, overactive behavior and hypomania, elated moods and excitability, anxiety, agitation and violent or dangerously impulsive behavior. Symptoms of overdosage may include drowsiness or loss of consciousness, hypertension, tachycardia, ventricular arrhythmias, acute extrapyramidal reactions and hypothermia. Ça, le packaging des Marlboro, sans blague. C'est quoi le PT? PT, c'est... c'était Silent Hill, PT... Je sais plus ce que c'est exactement, PT. Mais c'est un style de jeu. À un moment donné, ils avaient sorti une espèce de démo dans lequel, en fait, tu tournes en rond. En fait, t'as toujours la même salle. T'as toujours le même corridor, en fait. Tu tournes en rond, il y a juste des trucs qui se passent, en fait. Des scripts qui se déclenchent. Ok, Thorazine 25. Est-ce que c'est ce que prenait notre pote? Je vous rappelle, du coup, qu'on est un policier qui inspecte. Dis donc. Ah, ça sent. C'est quoi ça? C'est des oranges de marchand. Et ça, c'est quoi ça? Post-it. Remember to check the supply of bullets in the trunk of the car for the next hunting season. Okay. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ah, attends. Allez, post-it, donc on a tout ça. Il faut toujours qu'on repaire le blabla. Ah, non, ouais, évidemment, ça marche pas. C'est pas mal fait, hein, quand même. Graphiquement, c'est pas mal. Hein. Bon, est-ce que... Ouais, j'entends des voix, je suis pas fou. Hey, y'a quelqu'un? Bordel de nouilles. Attends. Qu'en est-il des crucifixes? C'est bon? Bon, je pense que ça va être un... Mi-phasmo, mi-pété, quoi. J'ai entendu quelque chose ici, là. Là, derrière, là.
Est-ce que j'ai un pistolet? Ah, intéressant. Ah, j'ai vu que dans les options, quand tu galères, il te montre le chemin avec, avec ça, justement. Alors, jumpscare! 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 Et ouvre, connard! Ah. C'est du latin? Ah, Mia, salut Mia! Tu viens me secourir? Bon alors, vous ouvrez, oui? Il faut que j'exploite le jeu, là. Voilà, putain, ça va être un petit peu comme le... Ok, ça va être un mix de Phasmo, Dark Occult et PT. Bon, là, je comprends pas. Hein. S'il y a un script, il se déclenche pas. Hein. Ah! Oh, une porte qui s'est ouverte. Laquelle? Elle m'a fait peur, Mia. Qu'est-ce que tu fiches? Va-t'en. Ben oui, mais voilà, quoi. C'est quoi qui s'est ouvert? Je sais plus, maintenant. C'est ça qui s'est ouvert? Il y a un truc qui s'est ouvert, hein. Bon, il y a un truc qui s'est ouvert encore. Merci le script. Ah, bah tiens. Ah bah il fallait juste attendre devant. Tu te fous de ma gueule? Est-ce que tu te fiches de ma gueule, là? Je vais pas trop aimer ça, hein, si c'est vraiment il fallait attendre comme un con devant le truc. En même temps, je suis en train de jouer un petit peu en méta. C'est-à-dire, ben... En, comment ça s'appelle? Quatrième mur ou je sais pas quoi, là. En pensant que c'est un jeu vidéo, je m'immerge pas assez. Il faut croire que, ben... Faut s'identifier au mec. Il sait pas que les scripts existent. Du coup, il vagabonde comme ça. Et puis hop, tout à coup, il y a des trucs qui s'ouvrent. Ben ouais, hein. Ça se peut, hein. Par contre, putain... Ah, c'est quoi? I need a ladder for reaching blablabla. Ouais, sans déconner, t'es pas assez grand pour prendre le bidule. Putain, I need a ladder, quoi. Ici, y a pas de ladder, là. Et franchement, t'as pas need de ladder. Elle est là, la ladder. 1, 2, 3, 4. T'as 4 machins pour y aller, quoi. Ça, j'ai jamais compris dans les jeux vidéo, sans déconner. Ça, c'est pas réaliste. Comment tu veux t'identifier au mec, là, qui arrive comme ça? Oh, ni de l'odeur. Oh, gaga, je suis pas assez grand. Gé. Ouais, comme pour ranger la porte s'ouvre. Ni de l'odeur, ouais, bah ouais, mais... La daube, quoi, votre truc? C'est quoi, ça? Invoice number 120, date 15 juillet 1979. Supply and assembly of triple security code lock. Ah! Je crois que je sais où ça va, ça. Ok, ça c'est rien. Attends, je vérifie. Ouais, le son il est bon là. Il est un peu fort, non, le son du jeu. Je l'ai déjà baissé, mais bon. S'il est trop fort, vous me dites, hein. Si on m'entend pas. Normalement, on m'entend toujours parce que de toute façon, j'ai mis le. Compensateur. Ou je sais pas comment il s'appelle là. Quand je parle, ça diminue le son dynamiquement. Il est où votre tableau là? Là, c'est quoi ça? Hydraulic system seems to work well, ok. Ça au moins un truc. I feel strange. Ouais. Me fais pas peur comme ça. Crucifix? Ils sont où les crucifix?
Ah, c'est là. Non. Putain. Instruzioni. No hablo español. Ah, c'est l'instruzioni, c'est écrit en latin. Lorem ipsum dolor sit amet. Tu te fous de ma gueule. In case water leakage from the pipe, close all four red valves. Ok. Bon, je pense que c'était inévitable, le bordel. Oula. Case of short circuit, select all lines except the faulty one by pressing the switches at the bottom. Except the faulty one, ok. Turn on the power again by pressing the switch at the top. If the electric circuit does not work, it means that the faulty line has not been excluded. In this case, repeat the operation. Ok, d'accord. Je vois. Putain, tous les trucs sont fermés. Et il faut que je me... machin, et... Ils sont les... Putain, je vois rien. Ils sont les... crucifix. Putain. Bah attends. Normalement, on l'a trouvé, le bordel. Il me faut une clé, c'est ça? I can see a crack on the right of the cage. Ah. The hydraulic system, non mais on s'en fout. Attends, il a dit quoi? Maybe I could try to unlock it with a lever. Ouais mais... Je trouve où le lever? Voilà, la musique ça va bien une seconde, c'est... Ah, bah... Niveau 2! Et c'est quoi l'intensité? Parce qu'il est déjà bien rouge le bidule. Qu'est-ce que je peux utiliser comme lever? Ça commence à devenir un peu fort là dans le truc. Ah, la voiture. Ah, la voiture quoi? Post-it du frigo voiture. Hein? Comment ça, poster du frigo aux voitures? Ah! Ah bon? Ah oui, d'accord, c'est ça. Je peux utiliser ça comme lever, mais je peux pas le prendre. Attends, je peux pas l'ouvrir, la voiture, d'ailleurs. Mais non, tout est fermé, putain. Comment il est sorti de sa voiture quand il est garé? Donc on aura droit à un pistolet ou quoi? Ah, ce serait trop simple. Attends, c'est quoi? Y a quoi en haut? Ben ça va être un dark occult, ça, dis donc. Hein. As in well jar. Oh putain! Mid-floor hotkey. Mid-floor hotkey. Picked up mid-floor hotkey. Putain, mais s'il faut tout fouiller des trucs comme ça, laisse béton. Il y a des trucs en bas aussi, le problème. Oh, ok, donc on a une clé. Après, il y avait une option, je pense que je vais la mettre. C'est mettre en surveillance les trucs qu'on peut loot. Je pense que je vais le mettre. Parce que là... Ah. Ah. Tiens, non. Salut, toi. Bolt Cutters. Ah, merci. Ah, est-ce qu'il est en train de m'aider, là, comme ça? Il est en train de se dire, putain, il est vraiment trop con, ce débile. Bolt Cutters. Mais c'est pourquoi, ça, Bolt Cutters? J'avais pas de chaîne, moi. Si, j'avais des chaînes. Bon, j'ai déjà une clé. Allez, on va aller en haut, hein, du coup. Hein. Ah. Merde. Ah si, c'est bon. Alors, du coup, je pense que c'est une clé qui va... Alors, attends. Il faut que je trouve des bidules, attends. Avant de faire ça. Ah ouais. Ah ouais. Merde, ils sont où les trucs, là? Ouh, putain. Ouh, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Ils sont où les bidules, là?
Oh, les têtes! Ah, j'adore. Ah, ça, j'adore, par contre. Ah, 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 c'est bien fait. Use bolt cutters. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah, bolt cutters! Avec le bolt cutters, je peux faire ça, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? J'avoue que je commence à avoir des frissons, là. Et des moustiques qui me piquent. Ils bougent tout seuls pour que tu les remarques. Ils en ont marre, toi, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, j'arrive. Oh, shit. Is it always this cold in here? Je crois pas, non. L'autre, il était là-bas, je crois. Mais attends, mais... Du coup... C'est là que j'étais? Non. Tac. Attends, mais ça sert à quoi, ici? Ah! I need a star screwdriver. Ok. Casser ta gueule. Oh putain. Oh putain sa mère. Au moins, j'ai pas la... Comment ça s'appelle? J'ai pas de batterie, j'ai pas de pile dans le bordel. Ah! Ben voilà. Des portes qui s'ouvrent. Ah non, peut-être pas. Laissez-moi sortir, putain, bordel. Ah, j'ai pas été ici encore. Ah si, j'ai été ici. Bon, attends, je vais fermer la fenêtre parce que je suis en train de faire bouffer. J'arrive. Alors, oh, l'ambiance est bien pour le moment, à part la musique un peu trop présente de temps en temps. Ouais, j'aime pas trop la musique, autant les bruits, c'est cool. Autant la musique, c'est pas que c'est un peu too much, mais c'est un peu too much. Putain. Ah, je vois le moustique. Viens là, connard. Il est où? Normalement, quand il pleut pas, j'ai pas autant de moustiques chez moi, quoi. Là, il pleut. Normalement, il devrait pas y avoir beaucoup de moustiques. Si, ouais, il y en a, du coup, quand il pleut. Bien. Il n'y a pas les crucifix. Les crucifix sont bien, pour le moment. J'entends des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Du coup, attends, j'ai quoi, moi? Sur moi, j'ai des... Use this to open the hatch panels in the mid-floor corridor. Mid-floor corridor. The hatch panels. Je comprends pas. Hatch panels in the mid-floor corridor. Ça, c'est pour couper les bidules. Used for breaking chains on or lockers. Cannot use... Ouais, je sais pas. Il est où le mec là déjà tout à l'heure? Là ça s'ouvre pas. Là ça s'est ouvert mais... Ah peut-être attends ici non? Un truc du genre là non? Non ici. Ah. C'est l'attaque! Peut-être ici. Non. Là? Non. Est-ce que quand ça clignote, du coup, ça augmente la puissance, là? I need the key, oui. I need the key.
Qu'est-ce qu'il y a? Clac clac, c'était où clac clac? C'était ici clac clac? Ah, c'était ici? Non, bah non, j'ai été ici. Arrêtez, éco-responsabilité les gars, putain. Je vais juste faire un tour avant de redescendre. Du coup, attends. I think I'm losing it. Mais non, t'inquiète. Du coup, ici, on a besoin d'une screwdriver. Ça, on avait vu. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me fais peur, là, avec des trucs qui claquent, là? Ça? Ici? Je vais me faire buter, moi. Là, c'est non. Là, c'est non. Là, il y a quelqu'un qui joue avec le bordel. Mais c'est juste pour... je pense que c'est juste... This isn't right. None of this is right. C'est quoi la radio? Il est où? Il n'y a pas d'électricité? Comment ça peut marcher? C'est des batteries. D'accord. Mais les gars, je comprends rien à votre jeu, là. Ah, c'est quoi? Per sempre felici ignemé. Angelo et Lara, together forever. Très bien. Et du coup, c'est quoi? Note, c'est les notes. Non? C'est aller où là? Je peux pas le prendre. Il faut que je descende, j'imagine. Attends, avant ça, je voulais voir. Du coup, dans l'autre truc. Ah, bonjour! Ça va? Eh! Ici, je voulais voir. Est-ce que... J'avais trouvé des trucs ici ou pas? Du coup. Ah, l'échelle! Is it always this cold in here? Ah, d'accord, ok, ça marche comme. Effectivement, comme. D'accord, je viens de comprendre. Ok, donc du coup, je peux prendre plein de trucs maintenant. Used ladder, ok. Black, merde. Je fais ça, hop là. Et je vais prendre ça du coup. Ok, la ladder maintenant ça va nous donner accès à plein de trucs. Donc ça c'était la clé de quoi ça? Useful for reaching objects placed on top of big cabinets. Ça c'est quoi? This key opens the locked box in the kitchen. Ah ah! On avance. Enfin quoi. Attends, je vais te calmer moi, tu vas voir. Avec tes crucifixes, là. Kitchen, 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 putain, elle était où la kitchen? C'était là, je crois, à droite. Tu vas te calmer tout de suite, là, c'est moi qui te le dis. Ah, c'est quoi? 10 April, bring Laura 200 000 lire for monthly expenses. J'ai même pas peur de vos trucs, là, maintenant. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. In the kitchen, elle a dit. Non, c'était peut-être là. Il y avait un autre truc dans The Kitchen. Faut que j'aille vite. Attends, il y avait un truc de fermé là. I think I'm losing it. Ah non mais ça va, putain. Voilà. Hop. Voilà, c'est parfait ça. Comment on utilise le bidule là? Ah. Nice. Tac. Audio cassette. Ouais, mais je peux pas le jouer parce que il me faut le. Oh, shit! Is it always this cold in here? C'est marrant les mécaniques. Faut que je descende maintenant du coup. Attends, je vérifie ici. Non, c'était pas ça. Il était où l'autre? Ah, il est là pour m'aider peut-être, ouais. Ah, désolé, je lis pas du tout parce que. J'ai peur. I think I'm losing it. Donc ici, il n'y avait plus rien d'autre. Hein. Je pense que je, pour ne pas galérer, je vais mettre quand même la flashing pickables. Parce que sinon, je galérerai inutilement. Je suis pas là pour me faire peur inutilement. On est là pour jouer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas ouvrir? Bah moi non plus, alors ferme ta gueule. Oh pu.
j'aille là, c'est ça? Oui, non, mais je sais ça. Oui, j'allais ici, de toute façon. C'est vrai qu'il est sympa, le mec. Ou la femme. Et du coup... This isn't right. None of this is right. Mais si, tout va bien, calme-toi. On est encore... Il nous reste à découvrir... Comment il va nous attaquer, le truc? Alors, toolbox. Et... Ah, le lever. Très bien. Y a pas une screwdriver, là, aussi? Un petit screwdriver? I think I'm losing it. Ah non, tu as trouvé. You're finding it, du con. D'ailleurs, j'ai pas vu si ça brillait ou pas. Du coup, on peut aller là-bas. Mais ouais. This isn't right. None of this is right. Oh, mais il perd la boule trop vite aussi. J'arrive pas à compétiter là. Je peux ouvrir là ? Non. Du coup, on a toujours deux clés qu'on n'a pas utilisées quand même. C'est ça ? Ah non. On a une seule clé. Open the hatch panels in the mid-floor corridor. J'ai rien compris. C'est quoi les hatch panels in mid-floor corridor ? Ça veut dire quoi, mid-floor corridor ? Laissez-moi sortir, bordel de merde! Used lever, parfait. Alors, du coup... Off. Et du coup, il faut que je... C'était quoi, déjà? Select all the lines... All lines except the faulty one by pressing switches at the bottom. Turn on the power again. Reach at the top, ok. Il faut probablement le redescendre. Non, je dirais pas. Premier, peut-être? Attends, faut que je fasse quoi, là? Ça? Donc ça, c'est allumé? Ok, ça marche pas. Non. Non plus. Non. C'est l'inverse, alors? Hein? Qu'est-ce que c'est, des souris, là? Qu'est-ce que c'est? Mais what? Je suis devenu trop fou, c'est ça? Attends, je viens de résoudre une énigme. Normalement, ma santé devrait se restaurer. Eh ben non. Il n'y a aucune porte ouvrable au RDC, ouais. Bon, ça va, c'était gentil, le jumpscare, là. None of this is right. This isn't right, this isn't, none of this is right, bla 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 bla. Du coup, c'était quoi ici? Clac clac clac. Clac. Non? Clac? Non. Attends. Non, il fallait que je fasse ça, et j'ai fait celui-là. Et là du coup, voilà. Et là je me fais tuer par des souris. Et je sais pas quoi faire. Je les tue? Bon. This isn't right. None of this is right. Ah ouais, mais bon, voilà. This isn't right, ça, je suis d'accord. Hein. Donc celui-là, hop là. Faut que je fasse quoi, du coup? Faut que j'aille où? Faut que je sorte? Donc t'as pas réussi l'énigme correctement. Bah y'a la lumière qui s'est allumée, quoi. Je vais essayer un autre truc, mais... This isn't right. None of this is right. Je vais éteindre celui-là. Non. Je vais mettre celui-là. Ah là, là pareil, ça marche pas. Ah mais c'est... Je comprends rien. Putain, Dark Occult all over again, quoi. Oh, le petit sourisseau. 2D, quoi. Photoshop.
Ou alors je suis complètement... J'ai tellement perdu la boule que... Je suis stuck. None of this is right. Je suis bloqué maintenant, il faut que je recommence. Allez, je l'ai eu ce connard. Ça pète, hein. En plus, il a déjà sucé mon sang, là. Pourquoi il veut ressucer mon sang, ce débile, là? Cette débile, parce que c'est des femelles. Je pense que j'ai juste trop perdu la boule, en fait. Non. Donc ça... Attends. Ah, c'est celui-là qui saute. Ok. Il saute tout seul, en fait. Regarde. Si je fais ça, hop. Il a sauté tout seul. Ah non, ils sautent tous. Ok, d'accord. Et donc là, ça va marcher. Donc avec celui-là, ça marche pas. Donc ils sautent tous. Avec celui-là... Non. Si j'éteins celui-là... Ça marche pas non plus. Et ben, il reste que celui-là, hein. Mais je sais pas quoi faire, hein. Ça parlait d'un false bidule tout à l'heure, dans la notice juste à gauche, non? De quoi? Hydraulic system seems to work well. De quoi? Ici, là? Close all four red valves. Mais il n'y a pas de water leakage pour le moment. If the electric circuit doesn't work, it means that the faulty line has not been excluded. In this case, repeat the operation. Non, non, c'est... C'est juste que... tu fais le truc, c'est un petit peu ce que... Ce que je fais là, si je mets ça et que ça saute, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas le bon qui a été exclu. Enfin, il y en a un qui n'a pas été exclu. Si j'exclus celui-là, ça marche pas. Si j'exclus celui-là, ça marche pas. Si je les mets tous et que j'exclus celui-là, là, ça marche, mais je me fais bouffer la gueule. Par des putains de rats. Je peux rien faire. La seule solution, c'est de, à la limite, peut-être mettre l'échelle quelque part. Ou alors c'est normal et que j'ai perdu trop la boule, je sais pas. Et à mon avis, si j'ai résolu l'énigme... Attends, parce que... Du coup, je vois beaucoup trop de... Attends, je vais essayer peut-être de relever les... comment s'appelle? Les crucifix. Je vais aller relever les crucifix, peut-être que ça aidera. Je sais pas. Merde, je suis où, moi? Là. Ici, il n'y avait pas de crucifix, je crois. Don't look back. Ha! Bah putain, ah bah ça y est. Ah ouais, d'accord, ça me tue. Ok. Don't look back. Salaud! Salaud de pauvre. En fait, je pense que j'ai perdu trop la boule. I feel strange. Bah ouais, moi aussi, hein. I feel like we will have to start over again. Bon, je vais essayer quand même d'y aller. Je pense que ça va faire pareil. Ça va faire la même chose. Ah non. Ça fait pas le don't look back. Intéressant. Crucifix, tout va bien? Crucifix? Là, il y a des crucifix? Pas de crucifix. Si, il y a un crucifix. Ok, donc au moins, c'est un petit peu aléatoire. Ça, c'est cool. Du coup, il n'y a plus de musique. Le jeu en a marre. J'ai pas trop peur. Ah, attends. Ah si, c'est bon. C'est... Je l'ai eu, celui-là. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, celui-là, je l'ai eu. Il me semble que c'était tout, hein. Oui. Bah non, du coup, les crucifix, mais ils sont pas retournés, hein. J'ai la solution, j'ai googlé, les rats, c'est normal. Ouais, super, ok, d'accord, merci. Les rats, c'est normal. D'accord, bon, déjà, les rats, c'est normal. Mais je pense que oui, je pense que les rats, c'est normal. Et il faut que je trouve quelque chose pour les contrer. Je pense c'est mettre l'échelle quelque part et monter dessus.
Peut-être aller ici. Attends, ça c'est quoi, y a rien là. Parce que, où est-ce que j'ai trouvé le... La toolbox, elle était où? Elle était... Non, elle était pas là. Ça, on est d'accord, je peux pas monter dessus, je peux pas sauter. Dès que t'en as marre, je te dirais, ouais. Comme dans Dark Occult. Où est-ce que j'avais trouvé la toolbox? Je veux mettre le truc dedans, dessus. Quoique, de toute façon, j'aurai jamais le temps. Bon, allez, je vais tenter de trouver la soluce. Là, il y a un truc, là. Ah, ça se... Bon, réfléchissons. La soluce que j'ai, c'est la bonne. Ici, c'est le truc. C'est très bien. Est-ce qu'il faut que je mette l'eau? Je sais pas. Tac, tac, tac. 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 Et je mets l'eau. Non. Destruction, non. Non. Regarde, regardons. Regardons, il y a des trucs. Qu'est-ce qu'il y a comme truc? Ok, j'ai pas vu. Est-ce qu'il faut que j'utilise un truc de mon... Est-ce qu'il faut que j'utilise un truc de mon inventaire? Non, pas un truc de ton inventaire, ok. Je fuis. Où je fuis? Donc ils sont partout, on est d'accord? On est d'accord. Est-ce qu'il faut que j'aille encore plus vite? I feel strange. Yeah, I feel like it's a... Père et Caral, ça c'est bon. Faut que j'aille là, faut que j'aille où? Donc là je suis mort déjà. Ici, jusque là, je peux pas. Donc il y a forcément un truc que je dois faire avant ici. I feel strange. Ah, peut-être qu'il faut que j'éteigne. Attends. Faut que j'éteigne, non? Oh putain. Lol. Ah ouais. Oh. Oh, cette modélisation 3D. Génial. Je peux pas l'éteindre. Ah bah, ça saute plus? What the hell? Ok. Bah, je les mets tous. Oh, le bug. Attends, du coup, réfléchissons. J'ai la pause, ça, c'est parfait. Est-ce qu'il faut que j'ouvre le bordel? Qu'est-ce que... Il faut que j'éteigne, c'est ça? Il faut que j'éteigne le truc. Où est-ce que je peux éteindre le truc? Parce que là, je peux pas l'éteindre. Il est où le bidule, là? Où est-ce que je peux l'éteindre, là? Là? Est-ce qu'il faut que j'éteigne? Ça bug. Ça bug à plein régime. Est-ce qu'il faut que j'éteigne la lumière? Non, attends. Réponds pas encore. Du coup, c'est pas éteindre la lumière, alors. I feel strange. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose avant d'activer ce bordel? Ouf. Oh. Oh, c'est beau. Waouh, c'est génial. Ah, pas la lumière par contre. Eh, hey, elle est où la lumière là? Ah, elle est là la lumière. Ok.
Ah, cette tête. Non, pas avant. Ok. Non, ça marche pas, ça. Zoom. Ah, je peux zoomer. Bon, vas-y, dis-moi, j'en ai marre, là. Encore un truc à la con, là, je suis sûr. Je te donne une piste, vas-y. Faut que tu prennes des pauses. Alors, il y a des passages où il m'attaque pas, c'est ça? Ou il faut que je fasse pause? Ah ok, putain d'accord. Putain mais ce bordel là, tu comprends rien aussi, je croyais qu'on pouvait pas monter dessus. Débile. Oh, sérieusement quoi. Après j'imagine que je monte là-bas. Mais je croyais qu'on pouvait pas monter dessus. Bah je peux pas descendre d'ailleurs, tiens. Ah si, je pense que là. Oh, c'est vraiment de la merde quand même. N'importe quoi. Mais ouais, mais moi je voulais utiliser mon échelle. J'ai une échelle. Pourquoi je peux pas l'utiliser? C'est débile leur truc. Hein. J'avance, je pose l'échelle, j'avance, je pose l'échelle. Ma gueule. C'est vraiment de la merde quand même. Bien, allez, on a allumé. C'est parfait. Cassez-vous. Bye bye. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a la lumière maintenant. Parfait. Eh ben, dis donc. C'était ardu. Bon, ils sont où les jumpscares, là, maintenant? Ah, c'est mieux. Ok, donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a toujours une clé qu'on peut utiliser quelque part. Qu'est-ce que c'est mieux avec la lumière, bordel? Ok, là, il n'y a rien. Là, y a rien. J'imagine qu'il y a des trucs qui vont péter au fur et à mesure. Ah, ah oui, mais c'est... D'accord, ok. La lumière, s'il vous plaît. Là. Parfait, merci. Là aussi. Ah, putain, c'est beau. Hey, arrêtez de jouer avec les portes, là. Ça sert à rien d'allumer la lumière et jouer avec la lumière. Mais attends, mais... Elle était ouverte, là. Bon, bref, on s'en fout. Faut qu'on trouve des trucs à ouvrir. L'éternelle recherche des trucs à ouvrir. Oui? L'est-il? Franchement, j'ai plus peur. J'ai plus tellement peur, en fait, après le passage des souris, là. Ah, du coup, il m'a pété l'ampoule, c'est ça? Connard, tu vas payer. Ah bah, je peux plus... Oh, je peux pas l'allumer. Ok, très bien. Je peux même pas agir dessus. Très bien. Donc, il nous faut toujours le tournevis. Est-ce que c'est ça, mid-level corridor, là?
Ça, je peux pas l'utiliser, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est mon objectif là? Ah, j'ai pas d'objectif. Collect. L'objectif c'est collect. Ça se voit que c'est un jeu en easy access, hein? Easy access. Early access. Les portraits ne sont plus modifiés. Ah bah je pense que j'ai une bonne santé mentale là. Quatrième. Troisième marque tout à l'heure, mais je sais pas ici. Quatrième. Troisième marque? Marque de quoi? Easy access, ouais. Ah, ça va, c'est bon. Ça sert absolument à rien ce que j'ai fait. Parce qu'il joue de la lumière, là. Non, mais on s'en fout de ça. Allume ! Putain. Alors, attends, du coup, j'ai mid-floor hatch key. Mid-floor corridor. Et roll de paper. Ça nous disait 5 chiffres lettres. Ça, je peux le... Pourquoi c'est 2? Pourquoi il y a écrit 2 sur le truc? Use this too, ouais, ok, super. La cassette. T'as la cassette. Il y a 10 ans que j'ai pas vu de cassette. Attends, j'ai pas d'objectif. Super. L'objectif, c'est investiguer, j'imagine. Ça, on l'avait vu. Je vais encore perdre la boule, là. Je vais me faire avoir dans le look back. Est-ce qu'il n'y avait pas de truc... Merde. Ça, on l'avait ouvert ou pas? Je sais plus. Je crois qu'on l'avait ouvert. Ah, la télé du coup. Rien. Comment? Je veux bien des traces de sang, s'il vous plaît. Il y a des gens qui me... Ok. Bon, ça m'a pas fait peur. Parce que j'ai parlé en même temps, En même temps. C'est réel. En vrai de vrai. Est-ce que je peux pas l'ouvrir ici, là? Normalement, j'ai mis les trucs en surbrillance, donc je devrais les voir. Il y avait une dans la salle de... Comment ça s'appelle? Kitchen, c'est cuisine. Dans la cuisine, il y avait un truc qui brillait dans le noir. Je sais pas si c'est un truc ramassable. Je sais même plus où est la cuisine. Ah, attends, je peux pas appeler, là? No one to call now. Ok. Elle était où, la cuisine? Elle était là. De moins en moins de lumière, quand même. C'est pas choucard. Ça, là, je peux pas la ramasser? Elle était brillante, celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, bon, d'accord. Bon, allez, je me laisse aller, je vais pas râler parce que, bon, ça sert à rien. Encore une cassette? Ah non, c'est quoi? Penalty on 11 février 1970 in Buonarroti Street, Vinovo Municipality at 5 p.m. Sir De Santis Angelo violated the highway code of speeding. Ah, il s'est pris un PV. Mais il y a la clé. Attends. Lunchroom hatch key. Attends, il y avait d'autres trucs. Il y a des crucifixes partout là. Une clef. C'est quoi hatch? Ben, c'est un espèce d'un petit panneau, je crois, je dirais, non? Un petit panneau... comme le panneau qu'il faut que j'ouvre avec... avec le tournevis.
Ok, là, il n'y a rien. Ah, ground floor planimetry. Ah, du coup, on est à ground floor. How to access it to the cellar. Bah, merci, on l'a déjà eu. Il y a un monsieur qui nous a montré la voie. Basement. Du coup, on est... kitchen, lunchroom. Ok, on est à lunchroom. Attends, atrium. Ok. Start, lol. Cellar. Ok, c'est là-bas, cellar. Basement. Ah, attends, basement et cellar, c'est pas pareil. Parce que basement, c'est le sous-sol. Et cellar, c'est le... sous-sol. Je crois. Non, je sais pas. C'est quoi le cellar? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, on peut pas allumer, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Ah, bah voilà. Ah, la musique qui s'est arrêtée d'un coup. Lol. Born in 930. Fines for speeding. Psychiatriste. Donc il y a tout ça à découvrir encore. Ok. Toujours pas d'objectif. Ground floor planimetry. Je peux l'ouvrir hein. Donc ça c'est ground floor. Ok. J'ai ramassé un item. Ça. Lunchroom hatch key. Et mid-floor hatch key. Intéressant. Merde, attends. Non! Casse-toi! Exit! Voilà. Ah, attends. Y'a pas des trucs là? Use ladder, oh lol. D'accord. Pour. New psychiatry Angelo De Santis. Oh. What? Camilla drawing. This is my birthday. Hand in hand we celebrate. Dear father, dear mother. I'm so happy to be your daughter. I love you, Camilla. Camilla, c'est sa fille, du coup, si je comprends bien. Ok. C'est bon, du coup. Y'a rien, là. Una nuova psychiatria. C'est tout. Ok. Ça nous a rajouté un document, j'imagine, ok. Camilla, oui, c'est ça. Camilla De Santis. Ok. Porte dans un placard plutôt qu'étagère. Ah merde, putain. Je veux bien. Oui, c'est bon, c'est bon. Ah! Nick! Nick ta mère! Ah non, knock! Knock, 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 knock. Ah, je perds la boule, c'est ça? Hé, hey, mon flashlight! Alors, je veux bien que vous éteigniez les lumières, mais moi, pas mon flashlight. Ouh. Ouh. Ok, ça je l'avais éteint normalement, ou pas d'ailleurs. FBI, open up! Ah, c'est vrai que c'est trop faible. Comment ça se fait que c'est trop faible? Mais je veux ouvrir le hatch! Le latch! Le hatch! Le hooch! Attends, je vois rien. Allumez! Le feu! Oui, bon, ok, d'accord. Allez! On va suivre ça. Ouh! Ah, la porte s'est ouverte. Oh. Oh, c'est pas mal ça, attends. Ah oui, mais non, attends. Merde. Hop là. Faut pas que j'oublie après. Oh, wow. Allô? It's Toscani. Who am I talking to? Ah, je suis Toscani. It's Angela from the department. Ouais. Is everything all right? You sound a little upset. Ah ouais, c'est de la merde votre jeu là. I just haven't been sleeping well. Have you discovered anything? We did some research in the Lamb Registry archive. The villa was purchased by Dr. De Santis about 20 years ago, okay. Quand il avait 30 ans. Five years earlier, we know it must exist. A passage of about 50 meters down in the cellar. Maybe a bunker dating back to the war. Un bunker. The thing is that the doctor filed a new document last year, in which this passage no longer exists. Uh-huh. It doesn't make sense that the doctor did some work to cover this additional space. It couldn't have just disappeared into thin air. Hmm. That is indeed very strange. Okay. Great job, Angela. Ouais, c'est ça. Ouais, le son est un petit peu bizarre. Putain.
Du coup, find the secret passage. Bah, si tu m'ouvres le cellar, moi je veux bien. Ah! Ah, c'est marrant. Oh. Ah, c'est dynamique. La musique, c'est dynamique. Comme les antibiotiques, c'est pas automatique. La musique, c'est dynamique. Donc, j'ai toujours ça, mid-floor hatch key. J'imagine que c'est à l'étage, du coup, parce qu'on est en ground floor. Lunchroom hatch key. Use this to open hatch panels in the lunchroom. Lunchroom. Lunchroom qui est là, du coup. Ah, la porte qui est ouverte maintenant, c'est parfait. Est-ce que je peux allumer, s'il vous plaît, parce que je... Voilà, quoi. Allumer ! Le feu, merci. Feu uter pendragon. Ah, putain, je peux pas passer, je suis trop gros. Là, c'est ici, non ? Ah, ben voilà, merci. Et ça sert absolument à rien. Si ce n'est... Seriously? Are you freaking serious? Ils sont bizarres les verres. Très bien. Ça fait une clé à moins. Parfait. Bon, amuse-toi l'esprit, tu peux t'amuser avec le verre. Là, du coup, je peux pas, évidemment, parce que c'est pas un hatch, latch. Très bien. Du coup, il nous manque... Alors, attends, du coup, je vais regarder Ground Floor Planimetry. C'est... Donc, nous, on est à Lunch Room, et le cellar, c'est à gauche, en sortant à gauche. Et il y a un truc qui mène à l'étage. Donc, c'est celui-là, le... Ah, ok, c'est ici. D'accord. C'est là qu'il faut qu'on trouve la bidule. Du coup, donc mes objectifs, find the secret passage. Told me this and then cancel the passage down in the cellar still exists if someone go down the cellar. Find a way to go down to in the cellar and look for this secret passage. Ok. Utilité 0, ouais. Bien. Je vois de la lumière là, c'est quoi? Bon, franchement, bon, je vais essayer de. Même pas peur, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Arrêtez ça tout de suite! Le jumpscare de merde. Alors. Non, en vrai, je me suis chié dessus quand même. That's too disgusting to touch. Bah quoi, eh mais ça va, mec, putain. That's too disgusting to touch. Tu te torches bien le cul, mec. That's too disgusting to touch. Tu peux bien me prendre le truc. Le pauvre, le petit, là, il a envie de manger ou je sais pas quoi. Comme ça, c'est mieux. Hein. Ah, du coup, ça... Ah, ça a pété, du coup. C'est mort. Là, c'est quoi, ça? Ah, ben voilà, parfait. Nickel. Too disgusting to touch. Le mec, il y a des trucs qui se passent complètement bizarres dans la maison. Le mec, il a pas envie de toucher les... Si ça se trouve, il y a rien là-dedans, quoi, tu sais. Ah, il s'est allumé tout seul. Éteins-toi. Éteins-toi, je t'ai dit. Merci. Ok, y'a plus rien ici, j'ai pris quoi comme clé? J'aime ce qu'il y a quand ton objectif pop sont plus effrayants, je trouve. Ouais, c'est vrai. What the fuck? C'est nul! Du coup, j'ai ramassé ça. Doctor Office Key, ok. Pourquoi j'ai deux sur certains trucs, j'ai deux? Parce que ça veut dire que j'en ai deux. Use this to open the door, DeSantis Doctor Office in the house. Office. C'est où ça? C'est là. Office. Bon, j'imagine que c'est en haut, non? Ce serait logique que ce soit en haut. Et il y a quelqu'un qui a oublié un bébé ici, hein. Attends, je vais appeler les secours. Bouge pas d'ici, hein, petit. Mais je peux pas sortir.
Ah, pardon. Excusez-moi. Je suis trop gros. Téléphone. Ici, téléphone de maison. Non, c'est pas ça. I feel strange. Oh non, ça y est, ça commence, putain. Ça commence, ça va commencer à me courir sur la rico là. Attendez, le téléphone, les gars, le téléphone. Je préviens le secours direct là, non? No one to call now? Bah non, bien sûr. Bon, je vais aller en haut, je pense que c'est en haut. Parce qu'ici, il n'y a pas d'office. It sounds like it's coming from upstairs. Bah ouais, hein. What's coming from upstairs? Huh? The lights are out again? Bon, moi, je me mets là, et puis voilà. Une quatrième marque, comment ça? Autant ça ouvre deux portes, ouais. Comme la première clef de la salle à manger. Hein? Une quatrième marque. Quatrième marque? Comment ça, quatrième marque? C'est la quatrième déjà? Non. Non, j'étais bien là dans la tête, non? Là où tu avais le bouquin, la nouvelle psychiatrie avec une photo à l'intérieur, c'était pas le bureau de docteur? Non, je crois pas. C'était le... Eh ben, je sais pas ce que c'est, en fait. Y a rien d'écrit. Mais je crois qu'il est à l'étage, non? Il dit pas que c'est à l'étage, non? Office in the... Non, non. Bon. Faut que je réaille dans le bordel, c'est ça? Ouais, c'était là, ici, là. Mais c'est pas son... C'est son bureau, là? Non, c'est pas son bureau. C'est une... Ah, attends, il y a peut-être des trucs dessous, là. Attends. Putain, mais je peux pas marcher dessus, t'es sérieux, là? Là. Casse-toi. Ouh, putain, des trucs qui volent. Ah, c'est quoi? Kerry? Bordeaux! Oh, Château Kerry, Bordeaux! Bien! Allez, on reva dans le truc. Alors, vas-y, me... Ferme-moi le truc à la gueule aussi. C'est par là, je crois, c'est ça. Don't look back. Putain, sérieux. Bon, ok. C'est des trucs surnaturels. Ok, très bien. Eh ben, du coup, attends. Là, c'est fermé. On va aller à gauche. Là, y a rien. Parce qu'il nous faut le bordel. En haut, il y a une porte. Fermée. Ok, très bien. Donc on était à droite. Ouais, on était à droite. On continue. On va à gauche. Là, fermé. En fait, c'est encore... Ah, bah il a disparu, le bidule. Ok, bah tant mieux. C'est pire que... Dark Occult, parce que dans Dark Occult, t'avais quand même un putain de château à parcourir. Ok, il y avait des trucs qui étaient fermés, mais au moins, tu tournais pas en rond dans un endroit exigu, parce que là, c'est vraiment... Il y a même pas deux étages, il y a un étage et demi, là. Et du coup, tu tournes en rond comme un connard. Je suis sûr que c'est des... comment ça s'appelle? Ça doit être des assets... Ça doit être des assets de Unreal Engine ou je sais pas quoi, quelle connerie encore, qu'ils ont réutilisé. Mais ça m'intrigue, putain, ça servait à rien vraiment. Il y avait vraiment rien là. Et du coup, bon, bah, c'est un peu triste quoi. Enfin, je veux bien que ce soit une maison, mais si on doit parcourir un étage et demi en attendant qu'il y ait un truc qui se passe. Je vous annonce que ça va mal se mettre. Knock knock knock. Et oui, knock 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 quoi? Je vais te knock out, tu vas voir. Là, c'est fermé. Là, on a tout fait, je pense. Là, je peux me cacher. Ok, donc là, on peut aller à droite pour pas grand chose. Là, c'est la sortie. C'est le truc. En bas, il y avait rien, je pense. Et on peut aller en haut. Donc normalement, on devait aller en haut. C'est ici que la
La lumière a pété. Est-ce qu'il faut que j'essaie de la rallumer? Et ça, ça s'ouvre pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un bug? Je sais pas. Et là, bah, j'ai toujours pas le bouton pour la Broken Answering Machine. Attends, je l'ai vraiment activé le bordel? Flashing Pickables. Ouais, bah ouais. Bon. Alors, on va tourner en rond jusqu'à ce qu'ils nous disent où aller. Hein. Hey, Bidule! T'es où? Machin! Tu peux m'aider, s'il te plaît? Ça va, les crucifixmes? C'est bon. Bon, voilà. J'ai fait le tour. Je sais pas ce qu'il faut faire. Le basement est fermé. Je peux pas l'ouvrir. J'ai toujours une putain de clé à mon... Non, deux clés même. J'ai deux clés et je sais pas où ça va. Ça va, ouais. Putain, merde. Casse les couilles ce soir. T'as fait quelque chose en rapport avec le knock écrit partout? Non, c'est vrai que j'ai pas fait le knock-knock, mais qu'est-ce que tu veux que je knock? Knock, c'est surtout lui qui fait knock. Ah, ça peut-être? Non, c'est pas. Non. Non, non. Il y avait des choses là, mais je les ai déjà prises. Là, il y a des bouquins. Là, il y a le truc qui est bug. Tu peux le jeter, s'il te plaît? Jette-le! Merci. Knock! Attends, est-ce qu'il faut que je fasse balancer un truc? Knock, knock, je sais pas. Il n'y a plus rien ici. Ouais. T'es l'eau! Ah oui, mais non, ça marche pas le télo. Là, on a déjà fait le bordel. Ça, on avait déjà pris. Il n'y a rien d'autre à prendre. Ouais. Non, bah, je sais pas. Knock-knock quoi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il faut knock-knock? Je pense qu'il faut knock-knock, hein. Knock. Knock knock. Knock knock, bah c'est quelqu'un qui tape à la porte pour rentrer, mais il n'y a rien ici. Ouais, pas trop d'indices. Hein. Attends, je vais faire un truc avant que je l'oublie. J'arrive, j'esquive, hop. Ah, ça marche pas. Chier, ça a pas marché. Je vais devoir faire un truc, bon, c'est pas grave. Bon, j'étais en haut, normalement c'est en haut que ça doit se passer, parce que c'est en haut que la lumière a été éteinte. Là, je vois partout des verres bizarres. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Putain. Là, je pense qu'il y a un bug quand même. Cette porte, elle devrait s'ouvrir. Hein. À mon avis, il y a un bug, il y a un gros bug ici quand même. À mon avis, c'est cette porte qui doit s'ouvrir. Hein. C'est pas normal de pas avoir d'interaction avec. Hein. Je pense que le jeu est un petit peu bugué. En tout cas, la version que j'ai. Il y a même pas le mec qui nous aidait tout à l'heure, avec les traces de sang et tout. Bon, s'il a envie de te prendre, de checker The Kingo, moi je veux bien, mais... Je pense que c'est juste, il s'agit d'un gros bug. Putain, c'est encore pire que Dark Souls. Dark Occult, putain. Ah,
Ah oui, j'ai vu que je pouvais prendre ça, mais je pense que ça sert à rien. Les espèces de tabourets, là. Knock, knock. Non. Il n'y a même plus de script. Il n'y a plus rien, en fait. C'est zéro. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien, là. Il y a juste l'eau, là, qui s'amuse, là. Comme dans Phasmo. Il y a un bug d'eau, là, qui coule. La porte qui est fermée, basement door, alors qu'elle était ouverte tout à l'heure. Je sais pas. Franchement, je sais pas. On va devoir écourter ce... Ah. D'accord. Ah. Bon. What? Une clé. Bon. Ouf. Ah, j'avoue, ça, c'était pas mal. Ok. Ouf. Bah non, mais j'en ai pas besoin, moi. Tu peux le garder. Qu'est-ce que j'ai à foutre, là, de ton truc? Ok, bah c'était bien des scripts, en fait. Il fallait attendre. Ou alors, je suis pas venu ici, en fait. Quoique, si, je suis venu ici, non? Je sais plus. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont apparaître ici, après? Je sais pas. Et du coup, est-ce que je peux aller en haut, s'il vous plaît? Putain, le jeu commence à ramer, quoi. Alors c'est mon ordi qui surchauffe. Ah mais non, mais j'en ai plus besoin, moi, je suis con. Ça marche plus. Il y a tout qui éclate petit à petit, quoi, ok. Ah, je deviens louf. Putain, il n'y a plus de lumière nulle part, en fait. C'est un placebo. Et elle est où, la porte? Elle était là, la porte. Il va y avoir des trucs. Il va y avoir des chocs à pic. C'est moi qui te le dis. C'était où l'autre étage? C'était là, non? Non, c'était pas là. Putain, je croyais que c'était entre-ouvert. Baby. Il est où l'autre étage, là, s'il vous plaît? Je suis en train de me perdre. Knock, knock. Ah, c'était là. Ah, mais attends, il y a un truc, là. Du coup, il y a cette... Ah non, c'était pas la porte. C'était pas ici, la porte. Ouvre-toi, Sésame, non? Elle m'a donné une clé, c'était quoi? Arc d'Orki. Ah bon? Je me demandais, est-ce que c'est... Parce que je suis trop con, du coup, il est venu me donner le truc. Ah ben, on y va, alors. C'est quoi cet art, du coup? Est-ce que c'est l'inverse du... Oh. Ah, Star Screwdriver! Allez, on y va direct. On y va directos. Ouais, tu me feras pas peur, toi. Ah si, tu me feras peur. Bonjour! Ah merde! Ah, mais j'étais fou! Ah, j'étais complètement fou, du coup! Ça débloque plein de choses d'un coup, ouais. Rip, ouais. Ouais, j'ai fait mon... Strange. Ouais, je sais. Ouais, j'ai fait le con, oui, bon. Ah non, ma clé! Elle est où, ma clé? Donne-moi la clé, s'il te plaît. C'était où? Merde. Ah, c'était là. Là, c'était ici. Ça, ça n'a pas sauvegardé avant, dommage. Donne-moi la clé, s'il te plaît. Là, vas-y, je me retourne et t'es là. Vas-y. Non? Mais vas-y. Putain, mais je n'ai plus la clé. Ou alors je viens de l'ouvrir, en fait. Il a sauvegardé juste après. C'est possible. Et où l'atrium? Il est juste en face. Je suis devenu tellement louvre que le truc a commencé à...
Ah non. Oh, j'ai fait bugger le jeu. Oh non. J'ai fait bugger le jeu. Motherfucker, j'ai fait bugger le jeu. S'il te plaît. Rends la clé, quoi. Vas-y, apparaît. Oh, 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 oh. Ça, non. I feel strange. Tu vas pas me la faire, ça, à l'envers. Tu vas pas me la faire à l'envers, toi. Ouais, je pense que je suis... En fait, je pense que je suis trop con. Du coup, le jeu, il m'aide comme ça, en fait. Ah, y'a plus de knock-knock. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison, putain? Et la porte, il s'ouvre plus. Il y a la lumière. Et je suis à quelle phase de jeu, là? Je comprends plus rien. Ah, le brain. Le mindfuck. Le brainfuck. Du coup, là, il y a la lumière. Ah ouais. Okay. Et ça, je l'ai ouvert. What? Oh non. Est-ce qu'il y a une sauvegarde ici? Putain, il n'y a même pas de sauvegarde. Il m'a sauvegardé à what, 1000 km? Putain, il m'a sauvegardé à des années-lumière, là. Je sais que les années-lumière, c'est de la distance, c'est bon. Merde, je sais plus ce qu'il faut faire, moi, maintenant. C'est quoi mon objectif? Find the secret passage. Ok, donc on n'est pas trop loin non plus, mais... Du coup, il faut... Like it's coming from upstairs. Ah, voilà, c'est ça, du coup. Voilà, là, ça va s'éclater. Les plombs qui vont sauter, il faut que j'aille là, dans la cuisine, après. Clac clac. Non. Y'a pas un truc qui fait clac clac là? Normalement il dit ah, y'a encore les plombs qui ont sauté. Eject button. Ah non, mais c'est bon ça. Et ça sert à quoi de se cacher alors? S'il m'attaque? Bah y'a les lumières hein. Les plombs n'ont pas sauté. Est-ce que j'ai le screwdriver? J'ai même pas le screwdriver. Merde putain. T'as aussi le bébé à la main à mettre les chiottes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est où les chiottes, là? Les chiottes, c'était là, devant, non? Merde. Je comprends rien ici, là. Ah, c'est ici, là. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, ça, c'est les chiottes propres. On va aller vite fait ici, cette porte là, là. Rien. Je vais peut-être essayer de moins parler pour m'immerger un peu plus et puis vous faire profiter des sauts terreurs. Et moi aussi d'ailleurs. Parce que là je parle, du coup j'ai pas peur. Forcément. Mais c'est ce que je ferais, moi, franchement, à sa place, hein, au mec. Parce que là, t'es tout seul dans une maison où il se passe des conneries, franchement, au moins je parle à moi-même, comme ça, il y a un peu de bruit, quoi. Non? Vous ferez pas ça, vous? Moi, je fais ça, hein. Enfin, déjà, direct, moi, je me casse de la maison, ça, c'est sûr et certain. Sauf si, forcément, les trucs, ils sont fermés. Mais si je suis arrivé, c'est que j'ai la clé, normalement, de la sortie. Sauf que bah il veut pas. Et du coup je pense que j'ai fait bugger le jeu. The end. Faut que je trouve les autres chiottes, ouais c'est vrai, mais ils étaient où? Non. C'était là les chiottes? Non, c'était pas là les chiottes. Oh putain, j'ai l'impression de tourner en rond là. Ils sont où les chiottes? Je comprends pas le plan. Ils étaient là non les chiottes quelque part? Bah, pas ceux-là mais les autres ils étaient où? Ah c'est le basement, ok.
Bon, alors attends, méthodique. Là, c'est pas les chiottes. Attends, il me faut le screwdriver, je l'ai pas. Alors que tout à l'heure, je l'ai eu. Je pense que j'ai fait bugger le jeu, à mon avis. Hein. Parce que normalement, il y a l'électricité qui saute. Je vais dans la cuisine. Et il me donne l'enfant avec la clé. Il ou elle. Ce. Oui, c'est ici, normalement, la chiotte. Non ? En fait, les gens, je pense qu'ils ont créé un jeu tellement, tellement scripté bizarrement que, bah en fait, c'est, bah il y a pas les knock-knock déjà. Comment on invoque les knock-knock? Ça? Non? Non, je les ai eus. Il y a pas les knock-knock. Faut que j'allume peut-être des trucs. Ouais. Clac, clac. Je l'ai eu. Attends, je l'ai eu quand même le truc, non? Oui, je l'ai eu. Il y a pas les knock-knock. Comment on les invoquait, les knock-knock? T'as qu'une seule chiotte, hein? Ah non, 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 il y en avait deux. Il y en avait deux, je me rappelle bien. Il y en avait bien deux. Bien deux. À mon avis, il faut là, à ce niveau-là, effectivement, faut que je trouve les chiottes. Putain, je comprends plus rien. Je pense que le jeu est cassé, tout simplement. Ah oui, il y a carrément les volets qui sont fermés, quoi. Ah, il y a le machin. Oh, il marche plus. Il marche pas. Pourquoi il marche pas? J'ai mis la lumière pourtant, les gars. La chiotte avec la clé, c'est pour ouvrir les portes de la salle à manger que t'as déjà ouvert. Mais du coup, normalement, ces chiottes, elles étaient accessibles. Pourquoi je ne les vois plus? Réponse, le jeu est buggé. Parce que là, j'ai fait le tour de la maison, hein, deux fois. Je vois toujours rien. Ma santé mentale ne diminue pas. Du coup, je soupçonne un gros bug. Ah, c'est quoi? Mais pour moi, il n'y a qu'une seule chiotte. Non, 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 il y en avait deux, il y en avait deux. Bon, je vais éteindre, si tu veux. Je vais éteindre partout la lumière, là. Et tu fais ce que tu veux. Voilà, je vais allumer, je vais éteindre. Je vais éteindre ici, là. Clac, voilà. Je vais éteindre ici. Quoique, ça fait trop bien, là. L'effet, il était top. Ah, je vais éteindre ici aussi, si tu veux. Là. Parfait, je peux pas le faire. Ça, je vais l'éteindre. Ça, je vais l'éteindre. Ah, voilà, ok. Ah, c'est qu'il, juste qu'il a sauté, en fait. Je vais aller en haut, je vais l'éteindre aussi. Comme si les plombs avaient sauté. Voilà. Du coup, on a la petite musique là, complètement agaçante là, dans nos oreilles. Est-ce que je peux recharger à la limite? De toute façon, au point où on en est, le jeu ne m'aide même plus. Je sais pas, j'en sais rien. Ah, y a l'eau, ouais, super. Éteins-moi ça! Ok, très bien. Est-ce que c'était le déclenchement du script? Ici, là, je crois qu'il y avait un chiotte ici, là, derrière.
Non, c'est juste les mouches. Ou pas. Bon, allez, je vais recharger parce que ça sert à rien. L'autre game. Ah, ok, il y a des sauvegardes quand même. Electrical panel, phone call. Bah, le phone call, oui, vas-y. Ça charge là ou. Ok. Très bien. Donc là. Là, j'ai fini mon call. Très bien. Et le truc, il est pas content, déjà. Est-ce que j'ai mon. Ou. Non, j'ai toujours pas mon truc. Je peux pas l'ouvrir. Mais j'ai l'impression. Déjà, il y a la musique. Donc j'ai l'impression que ça a débugué un petit peu. Est-ce que là, il y a un knock-knock? Toujours pas le knock-knock. Très bien. J'ai bien fait de laisser ouvert les trucs que je fouille. Sauf celui-là, évidemment. Là, devant, là, c'était le chiotte. Ici, là, normalement, derrière, il y a l'enfant, là, dans la salle de bain, tout couvert de sang, là. Là, 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 là. Allez, s'il te plaît. Script. La clé de la porte à côté du téléphone, c'est tu la récupères dans la cuisine quand il te la balance de bébé et le tournevis. Ah, attends. Ça avance, au moins ça avance un peu. Et le tournevis est là-bas aussi. Oui, je sais, ouais. Ou là, j'écris pas français. Si, t'écris français, mais avec des fautes. Du coup, donc ça a augmenté, donc il faut que je fasse gaffe. Oh. Crucifix. Là, on n'a toujours pas de script qui se déclenche. Là, on a un crucifix. Donc attends. Crucifix, il y en a un dans la salle à manger. Il y a dans le corridor à côté de la salle à manger. Il y a dans la chambre avec la télé. Il y en a ici, je crois, dans le passage. À droite, là. Voilà, il y en a un ici à la sortie, enfin à l'entrée. Il y en a un deuxième ici d'ailleurs. It sounds like it's coming from upstairs. Voilà. Là, j'y arrive et ça pète les plombs. Non ? Non, ça n'a pas pété les plombs. C'était ça, non ? J'arrive ici et ça pète les. Qu'est-ce que c'est la musique là? On dirait des. Il n'y a que ici la musique. On dirait des moustiques. Il y a un truc ici à faire là, mais je sais pas quoi faire. Tout est fermé, la musique s'arrête. Très bien. Pourquoi mon PC rame là? Il ne ramène pas tout à l'heure. Là, je peux toujours pas l'ouvrir. Là, il n'y a rien à faire. Et voilà. Du coup, là, il n'y a plus de musique. Et j'imagine que je suis stuck. Et je vais devoir recommencer le jeu. Mais sauf que bon, je ne vais pas le faire là maintenant. Hein, parce que là, il y en a marre. Ah, attends, j'ai pas ouvert les bidules. Même si ça sert à rien. Ok. Qu'il faut choper un truc ici. Ah, nice. Cozy. C'était peut-être encore plus tard les plombs. Ah, c'est moi qui vais péter les plombs là. Je l'avais pas laissé ouvert lui, je crois. En fait, j'ai l'impression que le. Attends, je vais. Non, je vais pas l'autre game. J'ai l'impression qu'il y a des scripts qui se sont amelés le pinceau à la sauvegarde.
J'ai plus peur des notifs de mon téléphone que du jeu, quoi. Bien. Il n'y a pas le knock-knock non plus. Il n'y avait pas un truc ici, genre je récupérais pas... Si, je récupérais une clé ici. Mais est-ce que c'était avant ou après les knock-knock? Pourquoi il n'y a pas les knock-knock? Déjà, il n'y a pas les knock-knock, ça me fait chier. Alors qu'il y avait les knock-knock. Bon, il est quoi, minuit? Bon, je teste l'autre game, Electrel Panel. On va partir d'encore plus tôt. I feel strange. Ouais, ta gueule. Moi aussi, je feel strange comme du déjà vu, là. Allez, hop! Regarde-moi cet anime. C'est pas joli ça? C'est pas belle l'anime là? Ils sont beaux hein. Allez, barrez-vous là. La lumière. Voilà la lumière. Ok, allez, on procède par rien du tout. On a mid-floor HK qui nous sert pas à grand chose pour le moment. On sait que on a ce truc d'ouvert et qu'il nous faut un tournevis qui se trouve après la porte de halt de arc. C'est pas de cyber. Quoique, hein, CyberArk qui protège les accès et tout, là, ça me protège bien les accès, là. Ici, on a déjà fait le tour. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Parce que je l'avais pas déjà allumé. Ici, on va allumer la lumière. Et ça, on ne peut pas l'ouvrir parce qu'on n'a pas encore la clé qui se trouve. On sait rien. Il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Qui c'est qui ouvre et ferme les portes? Quoi, la porte qui s'ouvre et qui se ferme? Attends. C'est en haut. Une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Fallait faire quoi déjà? Je me rappelle plus. Fallait en haut, non? Il n'y a pas la lumière. C'est ici, là, derrière. Là. Non, pas vraiment belle. Ça va, les gens du kick? Lol. Ah! Oh! J'allais me faire attraper, moi, dis donc. Mais c'est marrant, parce qu'il y avait un passage super super cool avec des peintures qui étaient changées, avec le fond rouge et tout. C'était vachement cool. Là, il le fait plus. C'est lui qui fait... C'est là-dedans que ça fait clac, clac, clac. Ah oui, il faut que j'aille là, du coup, là. Ah non, 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 merde. Elle est où la chambre? Ah oui, mais elle était là, la chambre. Lui, il est bon. Il y en a un autre de crucifix quelque part. Là. Hop là.
Tout va bien, je vais bien, tout va bien. Je suis gay, tout me plaît. Ah bah il est fermé en fait. D'accord. Bon, si dans les 7 minutes suivantes, il se passe rien, mais alors absolument rien, j'abandonne. C'est dommage parce qu'il a du potentiel le jeu. Hein. Il a du potentiel, il y a des passages qui sont bien flippants. C'est juste que moi je me la pète un peu parce que je parle et tout, mais... En vrai, au début, j'avais la flippe, hein. Quand il n'y avait rien du tout. Quand il n'y avait pas de jumpscare, j'avais la flip. Parce que je sais pas à quoi m'attendre. Du coup, l'inconnu, ça nous fait peur. Mais, ce bug de la porte qui s'ouvre et qui se ferme, je suis sûr que c'est un script qui bug. Ah. Hop. Ah, mais c'est ça. Ah bon. Oh. Ah, il faut suivre les... Vraiment, il faut suivre les bruits, hein. D'accord. Donc là, il y a une partie du script qui s'est débloquée, j'imagine. La porte qui s'est fermée. Et là, il faut que j'aille... Là, pour l'instant, je sais pas, il faut que j'aille... I feel strange. Mais non, toi bien. Calme-toi. Ah, il y a le truc qui a pété. Du coup, il faut que j'aille en haut. Non. Attends, il y en avait un autre là. Hop là. C'était ici, non? Ici, ça avait pété. Voilà. Faut que j'écoute. Est-ce qu'il y a des bruits? Faut que j'aille vers les bruits. C'est uniquement que sur des scripts, c'est un peu long et relou. J'avoue, franchement, ouais. C'est bien relou, ouais. Ici, rien. C'est bon, on a appelé, on n'a pas encore appelé, c'est ça? On n'a pas encore appelé. Du coup, normalement, le next step, c'est ce truc-là qui s'ouvre. Avec le bébé, je crois. C'est ça, hein? C'est le bébé qui s'ouvre. Enfin... Vous avez compris, quoi. Là? C'est là, non? Ah! Ah, voilà, donc ce truc qui tombe... Très bien. On va le démystifier, ce jeu. On va le descripter. Et donc là, normalement, il y a des trucs rouges là qui se passent avec l'enfant et tout. Voilà, il y a l'ombre là. Ah non, c'est pas une ombre. Il y a ici quelque part des trucs rouges qui se passent. Normalement. Ah, j'ai entendu des rires. C'est où? En haut, peut-être. Le bébé qui s'ouvre, ouais. Attends, il faut que j'écoute. J'entends rien. On va venir ici. Ah! Non, c'est les mouches, putain. C'est les couilles, les mouches, là. Ferme-moi ça. Ils partent pas. Ok, très bien. What a smell! Ah oui, je viens de l'ouvrir, oui. On a déjà ouvert, mec. Hein. Allez. Encore 3 minutes. Là. Non.
C'est là. Ah. Pourquoi ça s'ouvre maintenant? Je comprends rien. Je comprends rien pourquoi ça s'ouvre maintenant. Je suis passé 10 fois devant le truc. Attends, le fine. Voilà. Super. Ok. Là, y a rien, y a rien. Là, y a rien, y a rien. Et là, y a rien. Y a des photos, mais je peux pas les prendre. Ça, justement, c'est le truc qu'on a vu. Et c'est tout. Et là, à un moment donné, il va y avoir du knock, knock, knock. Les portes qui se sont fermées, et là ça va faire bou bou bou. Voilà, knock knock knock. Voilà, merci. Là, tu m'ouvres la porte, s'il te plaît. FBI, open up. Mais je peux pas le prendre. Ah, attends, le script. Il y a le script qui s'est déclenché. Voilà. Pick up letter. Oh putain. Il est vraiment pourri ce jeu quand même. Enfin, il est pas pourri, mais il est mal fini, quoi. Ah, c'est ça que je voulais. Mais du coup, ça marche pas quand j'essaie de le prendre en photo. Du coup, ce que je vais faire, c'est momentanément, je vais enlever ça, ça, et je vais m'enlever. Voilà, comme ça, ça me permettra de prendre un petit screenshot. Ring. It's Toscani. Who am I talking to? Bon, je vous laisse avec script. Moi, je vais boire un petit coup. Is everything all right? You sound a little upset. Everything's okay, Andrew. I just haven't been sleeping. Hydratez-vous. Have you discovered anything? We did some research in the Lamb Registry archive. The villa was purchased by Dr. DeSantis about 20 years ago. From the blueprints filed 5 years earlier, we know it must exist. A passage of about 50 meters down in the cellar. Maybe a bunker dating back to the war. The strange thing is that the doctor filed a new document last year, in which this passage no longer exists. It doesn't make sense that the doctor did some work to cover this additional space. It couldn't have just appeared into thin air. Hmm. That is indeed very strange. Okay. Great job, Angela. Okay. Could you please send some backup, please? Bien! Allez. Est-ce qu'on peut sauvegarder, s'il vous plaît? Putain. Du coup, on a débloqué ça. Je vais essayer d'écouter un peu plus. Ah mais du coup, il n'y a pas le knock-knock. C'est bizarre. Il n'y a pas le knock-knock. Ok. Il n'y a pas le knock-knock. C'est complètement bizarre. Attendez, j'arrive. Je laisse le temps au script de s'exécuter là. Tu me reprendras pas, tu m'auras pas, tu m'auras pas. Bien. El scripto, por favore. Ach. Qu'est-ce que j'ai chopé? Oui, lunchroom, exact. Lunchroom qui est là. Et la porte qui est ouverte maintenant. Alors tout à l'heure on pouvait pas l'ouvrir. Allume s'il te plaît, merci. Clac, clac. Ça, ça fait un script. Du coup, s'il te plaît.
Ouvre-toi, Sésame, fais quelque chose. Ah, truc qui est... qui la ramasse. On va économiser un peu la lumière. Hein. Est-ce que c'était ici? Mais je pense pas, parce qu'il me faut encore le bébé qui s'ouvre. Et le bébé qui s'ouvre, c'est par là, je crois. Mais bon. Là, le truc, il est déjà pété. Là, il n'y a rien. On va aller méthodique. On va visiter tous les trucs encore. On va faire le tour des portes. Ouvre-toi. Voilà, parfait. On fait le tour des portes. Ça, c'est marrant, ça. J'avais jamais allumé ici, je crois. Ah non, la sandbox est trop faible. Le passage est pas assez oppressant. Je sais pas comment monter plus la sandbox, franchement. Ah si, je sais, mais bon, attends. C'est lequel c'est... Non, c'est pas celui-là. Quoique si, c'est celui-là en plus. Non, mais pas besoin. Mais si, 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 si. C'est sound alert, c'est ça? C'est sound alert. Du coup, je vais le mettre à 5. À 4, je vais le mettre à 4. Si c'est trop fort pour certains, je les baisserai. I feel strange. I feel strange. Yeah, je me feel strange. Yeah. Bon. Bien, et si tu feel strange, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retourner les crucifix. Qui sont là. Là, il y en a un. Il est bien. Ici, il y en a un aussi. Il est bien. Ouais, non, c'est bon. Là, ça s'ouvre pas. Là, c'est bon. Là-bas, c'est bon aussi. Donc, on a fait le tour. On vient piquer ici. Voilà. Là, on va monter là-haut. Ah. It sounds like it's coming from upstairs. Oui. Et là, ça pète les plombs. Clac. Non, ça a fermé un truc. Il y a la musique qui s'enclenche. Ça a fermé ou ça a ouvert un truc en bas? Donc c'est pas ici que ça pète. Ou alors ça pète plus tard, effectivement. Bouh. Ah, ça marche pas le bouh. Pourquoi ça a pas marché le bouh? J'ai pas entendu le bouh. J'ai entendu rien du tout. Fermé une porte, je crois, non? Ou ça a ouvert une porte? Eh ben, il est beau le jouer à travers, hein? Je pense que je vais pas du tout le mettre sur YouTube. Hein. Bien, allez, on va partir de là. Mon PC n'en peut plus d'ailleurs de ce jeu mal optimisé. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Ouh. Ah, j'ai entendu bouh. Ok. C'est vrai que c'est un peu faible. Allez, je vais mettre à moins 3. Bouh. En fait, elle le dit trop vite, c'est ça, le bouh. Ok, donc là, on a visité. Ici, derrière le truc, il n'y a rien qu'on puisse faire. À gauche, on a... une plante, deux plantes. Un étage... et ce truc là, où je peux m'enfermer. Avec le truc qu'on peut pas ouvrir. Et il n'y a rien d'autre qui surligne. Attends, c'était quoi ça? Ah, c'était la porte. Très bien. Donc là, il y a une plante, deux plantes,
Une porte. Fermée. Trois panneaux. Enfin, trois tableaux. Super. Une ampoule ici. Ok, on continue. Là. Là. Il est 11h du soir, j'imagine. 11h10. Là, ici, on va à gauche. Il n'y a rien qui s'ouvre. Il y a un miroir, je crois. Une porte qui s'ouvre pas. Un manteau avec un truc. C'est pas à moi. Un truc qui est fermé. Ça, on s'en fout. Voilà. Donc, on est arrivé d'ici. Voilà. Ici, derrière, il y a absolument R. Allez, on va continuer, du coup, toujours à gauche. Donc, on va aller là. On va fermer la porte pour le lol. On va refaire ce truc-là. On va reprendre ce machin. Qui indique locked box, alors que normalement, je l'ai déjà ouvert. Il y avait quoi dedans, je sais plus. Ah, il y avait les... il y avait le l'évier, je crois. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. On est d'accord, ouais. Il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ici, il n'y a absolument rien. Enfin, ici, il y a des trucs, mais c'est de la merde. Là, on va allumer la télé juste parce que. Là, on va lire le truc. Ici, on a une porte qui est fermée ou ouverte. Et mon PC n'en peut vraiment plus. Là, on avait chopé le truc. Tac, tac, tic, tac, tac, tac. Je clique partout, ça marche pas. Je clique partout, ça marche pas. L'autre qui s'amuse avec la lumière, qui laisse faire. Je frime, je fais des rimes. Le coussin qui bug, merci beaucoup. Ça, ça ne s'ouvre plus. La photo, on l'a déjà vue. On peut pas la prendre. Très bien. Ça, on a rien, rien, rien. On peut ouvrir la porte ici. Donc on est arrivé de là. Non, on n'est pas arrivé de là. Attends. Si, on est arrivé de là. On est arrivé de là. On est allé à gauche. Du coup, on a fait le tour de ça. Très bien. On va faire le tour d'ici. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, on a déjà tout vu. Là. Donne-moi ça. Là, il n'y a rien de plus. Là, il n'y a rien. Là, on a déjà tout chopé. Ouais. On va allumer la télé, parce que c'est... Pourquoi pas. Ici, nada. Ici, nada. Boum, niam, 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 niam. Glou, glou, glou. On va tout casser ici. Hop là. Mon PC, il est trop chaud, là, je pense. Il arrive plus à suivre cette connerie de merde. Ici, bah, c'est pas... voilà. Là, c'est fermé. Par quelque magie que ce soit. Bref. Donc, on vient d'ici. Méthodique, hein. Méthodique. Donc là, on a ouvert. Là, ça s'ouvre pas. Je sais pas pourquoi. Ici, on a tout vu. On est toujours à 11h11, ça n'a pas changé. Et du coup, on arrive ici. Donc, là, on va aller toujours à gauche. On prend d'abord la gauche. Ici, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok, on va continuer sur l'étage. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. La dernière fois qui... Huh? The lights are out again? Non, mais putain, mais... Non, mais t'es sérieux, mec? Mais quoi? Mais quoi, Koubé, quoi? Il fallait que je... Putain, mais... Il fallait que je me mette là-dedans. Enfin, il faut que je clique sur le truc. Alors que j'en ai rien à foutre. Pourquoi je me cacherais là-dedans?
Genre, s'il y a quelqu'un qui venait, ok, si j'avais entendu des pas et tout, qui s'approchaient de moi, genre, des voix, genre, ah, je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer, et qu'il m'avait affiché en bas, genre, attention, vous allez pas bien mentalement, ok, là, j'aurais dit, ah, putain, il y a quelqu'un qui s'en vient, il faut que je me cache là-dedans, pour continuer le script. Mais là, non. Il y a eu un bruit, il y en a what mille des bruits dans cette maison. Il y a eu un bruit ici, un truc qui a pété, et il y a eu un bruit en bas. Je me suis dit, bon, ben, je vais aller en bas, parce qu'il y a un truc qui s'est déclenché en bas, il y a une porte qui s'est ouverte ou quoi que ce soit. Et ben non, il fallait appuyer sur ce truc. Pourquoi ne pas faire continuation dans le script? Tu continues le script. C'est honteux! Mais oui, c'est honteux. Tu continues le script. T'arrêtes de faire l'interaction avec l'utilisateur. Enfin, l'utilisateur qui doit cliquer ici. Pourquoi ici? Pourquoi pas sur la plante? J'en sais rien, moi. Et c'est pour ça que, voilà, mais, les jeux comme ça, ils sont cool. Mais franchement, c'est fini à la pisse. Et là, voilà. Voilà. Et là, c'est le chiotte qui s'est ouvert avec l'enfant. Voilà. Il est devant. Voilà. Non, c'est pas ici. Si, c'est ici. Knock, knock, knock. Il est réapparu. Voilà. Et là, c'est le chiotte, tout devant. Voilà. Non. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Merde, il est où? C'était pas ce chiotte-là, alors. Ou alors, il n'y a pas de chiotte là-dedans, en fait. Et alors, du coup, il fallait que j'aille au basement. Mais c'était fermé, et je m'étais fait agresser dans le kitchen. Mais avant ça, normalement, j'ai eu l'enfant. Enfin, j'ai eu l'enfant. Vous avez compris, quoi. Ici, là. Voilà. Clac, clac. Là, je me retourne et je la vois. C'est elle ou il? Je sais plus. Voilà, putain. Oh, la purge que c'est. Mon Dieu. Waouh. Ah, mais c'est pire que Dark Occult. Dans Dark Occult, c'était moi la connerie parce que je voyais pas un truc. Ou alors, j'ai pas ouvert une porte ou quoi que ce soit. Mais what the fuck? Et la porte est fermée maintenant. Mais c'est génial, les gars. Ah, le niveau de... Jamais vu ça dans un jeu. Jamais vu ça, quoi. Ok, bon, on a pas eu besoin d'enfants dans les chiottes, en fait. Oui, c'est bon. Hein. C'est bon, je m'approche du truc. Et du coup, là, je m'étais fait agresser par un mec dans la cuisine parce que j'étais trop curieux. Voilà, donc là, on y va. Et là, tout de suite, on a le screwdriver. Après le screwdriver. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'avoir une sauvegarde, s'il vous plaît? Ah non, c'est pas par là. C'est par là, du coup. Allez, je vais peut-être moins parler. Parce qu'on sait pas trop. Voilà, donc il y a le mec qui part derrière, là. Donc là, je vais pas le suivre. Même fermer la porte parce que il me fait peur. Et là, du coup, je vais aller là. Je vais fermer la porte derrière moi. Et là, on va s'attendre à un saut d'erreur. 3, 2, I feel strange. 1. Une clé. Cellar door key. Nice. 3, 2, 1, jumpscare. Ah! Philippe! Je sais où tu te caches! Et ici que je te bute, enculé! Genre, il faut que je traverse ce couloir, y'a rien qui va se passer? Je vais esquiver par là. C'est trop nul le jeu! Putain, on s'est débloqué quoi. Bye bye! Je devrais peut-être pas faire ça en fait. Bon allez, je me la pète plus autant là. Ah attends! Est-ce que la musique comme ça là, ou dans un endroit, ça veut dire que. Ah attends! C'est pas collectionnable ça? Est-ce que la musique comme ça, ou dans un endroit, ça veut dire qu'il faut que je retourne
Un crucifix. Hein? C'est possible, hein? Du coup, j'ai vu le bordel, là. Il m'a agressé, ici, ce salaud. Le crucifix, il est bon? Ouais. Est-ce qu'il y a quelque part aussi la musique là où... Non. Putain, mais il est minuit 33, le jeu vient de décoller, quoi. Enfin, surtout, je viens de piger le jeu, quoi. On va dire. Les scripts. C'est vraiment dommage que ça se passe comme ça, quand même. Bon, allez. Donc, quand ça fait ouh, il faut que je regarde les crucifixes. Side hallway, y'a rien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, toujours les mêmes paintings partout, là. C'est quoi cette manie de mettre les mêmes paintings partout? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas prenable. Hein. Ah, 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 mid-floor hatch key. Ok, hatch, ça veut dire ce petite commode, quoi. D'accord, et il y en avait deux. Et là, j'en ai encore deux, des bolt cutters. Ok. Et là, j'ai pris quoi? Accessing the cellar, ok. D'accord, on avance, on avance. Divorce certificate. Ah. Turing Court, first section has pronounced the following judgment in the case promoted in date 10-5-1973 by De Santis Angelo et De Rossi Laura. By article 4 law number blah blah, modified by article blah blah blah, the court accepts the request for dissolution of the marriage. Ok, ils se sont divorcés. Why not? Qu'est-ce que c'est? Truc pour bébé, ça, non? Ok, je vais laisser comme ça. Bah, je pensais que c'était là, I feel strange. Oui, je l'ai lu, ça. Ah, je peux pas agir dessus, c'est dommage. Je vais les monter. Évidemment. Alors... on poursuit. Side hallway, d'accord, très bien. Moi, j'ai le truc de cellar, moi. Y'a rien là-dedans, hein? Y'a rien. Je viens d'entendre un bruit, mais je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça qui est le bruit. Ok. Il faut vraiment que je fasse gaffe au moindre son. Au moindre truc. Merde. Casse-toi. Donc ça, c'est une fenêtre. Okay. C'est un hallway, d'accord. C'est un mid-floor hallway. Ok, donc on se retrouve avec... Ah, très bien. Putain, c'est encore un basement, en fait. Quelle est la différence entre un basement et un cellar? Réponse aucune. Ah, une porte. Oh non, c'est quoi, ça? Il y a un truc qui s'est retourné. Attends, je suis pas d'accord. Hein. Il s'est retourné où? J'en ai un là-bas. Lui, il est bon. Attends, je vais pas y aller alors qu'il y a un truc qui s'est retourné. Tout va bien là? Ça va, les gars? Ouais, c'est bon. Hé, hey, le bébé a disparu! Ils ont mangé le magnou? Ah, vaut mieux prévenir que guérir, hein. Bon, je pense que c'est un truc qui s'est retourné dans la salle où j'étais, en fait. Cave sous-sol. Super. Ça m'ovalise, quoi. Eh ben, on y va. On va aller chercher le crucifix qui s'est retourné. Allez. Je vais peut-être parler un peu moins. Parler un peu comme ça aussi. C'est trop cool. Ça fait plus dans l'ambiance. Italie, 1956, putain, c'est du bon vin, ça, si c'est du vin. J'aime pas les sous-sols. Ça fait trop peur, les sous-sols. C'est pas que je suis claustrophobe, mais presque. Mais moi, ça, putain, t'as envie d'y aller, là. Eh, c'est merde. Ouais. Ah, y'a un crucifix. Ok, il y a un truc pour se cacher là. Allez, j'interagis juste pour le lol. Voilà. Clac. C'est bon. J'ai cliqué dessus.
C'est quoi, vin rouge là, ici? Je pense. Ok. Ah, il manque des bouteilles là. Ok. Je suis en train de me perdre un peu. Ah, pardon. Je suis en train de me perdre un peu là. Encore un crucifix. Est-ce que c'est du vin ou c'est du sang? Je sais pas. Attends, je vais pas aller ici encore. Je vais découvrir l'autre bout. C'est une cave à vin. Ouais, mais j'aime pas. J'aime pas les caves. Vin ou pas vin? Cave à 30, peut-être aussi. Ah! Encore un truc. Il va y avoir une course-poursuite ici. Je suis venu d'où? Il comprend plus rien. C'est où la sortie? Putain. C'est trop grand, putain, ça m'est. J'étais où là? Il est où l'entrée? C'est là l'entrée? Ah oui. Ah c'est... Ça fait le tour en fait. D'accord. L'objectif était de trouver un passage secret dans la cave à vin. Ah, dans le cellar, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Dans le cellar. Passage secret... Passage secret... Bah, peut-être ça c'est des passages secrets d'ailleurs. C'est... je cours là, hein. Ça n'a pas l'air, mais je cours. Je cours toutes mes forces, là. Attends, du coup, je vais aller découvrir là-bas. I feel strange. Gueule. C'est bon, tout va bien, les crucifix sont là, normal. Rejoindre le monde de Narnia, ouais. Ah ben, attends, le sang est mené là. Je clique sur des trucs. Ah, je peux tourner. Je savais pas que je pouvais tourner. Tout le coup, il y a un truc comme ça. Ah, c'est l'entrée, ok. C'est l'entrée... Est-ce qu'il n'y a pas des trucs là, là? Des trucs vicieux, là. Bien. On n'a pas la carte, évidemment. Allez, je vais aller à droite. Cette fois-ci, on va longer. On va toujours tourner à droite. S'il n'y a rien, là. Des bruits random là. On va toujours tourner à droite. Je vais juste vérifier celui-là. Je crois que c'est celui dans lequel j'étais tout à l'heure, ouais. Non, je vais tourner à droite. Il y a peut-être les bouteilles là-dedans, là. Est-ce qu'il n'y a pas une clé dans un de ces trucs-là, sans déconner? Si c'est ça, j'arrête le jeu tout de suite. Hein. Non, je rigole, mais bon, quand même. On va voir tous les trucs, quoi. Ok. Ils sont capables, hein. Ils sont capables, les mecs.
Je connais le stick maintenant. Toujours tourner à droite, du coup. Ah, ok, celui-là, on l'a pas vu. Celui-là, on l'a pas vu. On n'est pas rentré dedans, je crois. En même temps, ils ont bien caché une clé dans une espèce de boîte... de... peinture. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Rien du tout. Ok, on continue. Je vais tourner à droite. Donc c'était là, ouais. Donc on continue ici. Ah, je deviens louf. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Rien. Rien. Elle est quand même bien en valeur, ce truc. La porte, là. Le petit truc, là. Je suis sûr que c'est ça. Et il y avait un petit passage, là, tout à l'heure, qui se finissait. Oh! Ah, c'est là, en fait. Ah! Il a retourné un truc. Ou alors, c'est... Le sigle, ça veut dire que... Le sigle, ça veut dire que... j'ai réussi un truc, en fait. J'ai trouvé quelque chose, du coup, ça augmente mes... Alors, du coup, il me faut quoi? Il me faut un code. Le code que j'ai pas, évidemment. On a vu des documents. J'imagine que c'est pas divorce certificate. Est-ce qu'on avait la date de naissance de la petite... Born in... Non, ça c'est le mec, il est born in... Camilla de Santos. Le mec qui t'a chopé dans le paquet de clope. Bah, je me dis, ouais, peut-être, mais comment on fait... Identity card. Post-it. Remember projectiles in the car. Okay. Ah, invoice for a door lock with a digital code. Ah... Invoice number 120, mais je pense pas que ce soit ça. Triple security code lock. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs gribouillés sur les... Non. Camille drawing peut-être? Non. Attends. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que... 1973... quand est-ce qu'il a... Je crois qu'on n'a pas la date. Attends, 1973, je vais tester. It's denied. Il y avait quoi, 1900... Lui, il est né en 1930. Non. Quoi d'autre? C'est mille... Je suis sûr que c'est 1900 quelque chose. À tous les coups, c'est 1900 quelque chose. Oh, shit! Was it always this cold in here? Me faire avoir. Le code. Ah, attends. Du coup, le code, j'ai pas regardé les documents. C'était lequel? Post-it? Non, c'était pas post-it. Leaflet? Non, c'était pas ça. Il était où le truc là déjà? Ah, c'était... Non, c'était pas les notes. Ah, c'est ça. Et alors, c'est quoi ça? Ah, F8, BC9. Ah, il y en a 5 ici. On peut toujours essayer, hein. Attends. C'est pas 5 chiffres du coup. Mais... Ah 8, 9, 7, 8, 9. 8, 9, 7, 8, 9. 8, 9, 7, 8, 9. 8, 9, 7, 8,
Non. Il y a des trucs derrière la porte. Est-ce qu'ils vont pas l'ouvrir comme l'autre jour ? Enfin, l'autre jour, l'autre fois. Crucifix ? Crucifix ? Ou alors je me cache. Ah, c'était ici le sac, le cul-de-sac. Je me suis dit, c'est ici le truc, le passage. Non, vraiment non, c'est pas ici. S'il vous plaît, les crucifix ! Ils étaient où ? Ils étaient où ? Il y en avait là. Il y en avait un là-bas, je crois, en haut. Non ? Là, il y en avait un, là. Ici, là. Ah ouais, ça commence à péter un peu, là. I feel strange. Enculé. Ah, ben voilà. C'est ça que je veux. Je veux voir ça plus souvent, là. Est-ce qu'il faut que je sorte, en fait ? Bon, déjà, attends. Hop là. Là. On va se calmer un peu là. Hop là. Où est-ce que je peux trouver le numéro ? À votre avis ? Ah, quand ça fait flipper, ça fait flipper. Hein. Il veut m'aider, ouais. Il veut m'aider. Il veut m'aider, m'aider. C'est moi qui ai fermé les portes, là. Ok, il nous faut le code. Le code, c'est pas le code. Du coup, si elle a voulu m'aider, il faut que j'aille dans la porte. Enfin, il faut que j'aille dans la porte. Enfin, il faut que j'aille là, quoi. J'allais là quelque part ici là. Qu'est-ce que ça peut être? Attends, c'est pas, ça doit pas être compliqué quoi. Torino, Book of Torino, phone numbers. Amore, 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 barone, barone, Costanzi, Angelo, Erico. Je pense pas que ce soit ça. Police report. 12 septembre 1972. Nocturnal noises. 12 septembre 72. Ok. Identity card. Qu'est-ce qu'on a? 1930. 5-5. 1930. Je pense pas. Thorazine, je pense pas que ce soit non plus. Post-it. Non, merde, attends. Pff, n'importe quoi. Post-it, remember. Ok, donc c'est pas ça. Invoice. 79, je crois que je l'ai essayé, ça marche pas. Quoique. Je l'ai pas essayé, je crois. Penalty, non. Ground floor, je vois rien. Camilla Drawing, il n'y a pas de date. Divorce Certificat, 73 on a essayé, 72 on a essayé je crois. Et les notes, on a juste... Je sais pas quand est-ce qu'elle est née Camilla. Ah attends, dans le truc il n'y a pas quelque chose là? Non. Ok. Attends, remontre la date d'installation. Date d'installation de bidule ? 15 juillet
Moi, je m'étais dit 15, 7, 7, 9. Bah, je pense que ouais, on va devoir brute force. Hein. Attends. Brute force. Ça doit pas être bien compliqué. 15. 7, 7, 9. Ah! Mais je sais pas combien il y a de chiffres en fait. Il faut que je trouve les bidules ici aussi d'ailleurs. Les crucifixes. Faut que je les retourne. Putain, il est 1h là. Je vais arrêter bientôt. Là, il n'y a rien. Non, je vais pas retrouver la porte, tu sais. Là. Bon, c'est toujours à gauche en rentrant, en fait. 15... combien ? 15, 7, 7, 9... Non. Ah, du coup, il y a 5 chiffres. Il n'y en a pas 4, il y en a 5. Cinq, cinq, un, neuf, trois, sept, dix, sept, sept, cinq, cinq, un, neuf, trois, ça me paraît tiré par les cheveux. Sept, dix, soixante, combien? 77, je crois. Non plus. Et du coup, attends, c'est... ça date de... Oui, c'était le 5-5, ça marche pas du coup. Ou alors c'est 0-5. 0-5. Ou 5-0-5-30. 5-0-5-30. Non. 0, 5, 5, 30. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas un gribouillis quelque part, peut-être sur le sur les murs? Et du coup, non, attends, il y a 5 chiffres, donc c'est forcément le document que j'ai là. Il y a un truc. Il y a forcément un truc. Là. A, F, B, C, B, D, C, A, D, A. A, F, 8. J'ai déjà testé le 8, 9, 7, 8, 9. A, F, A, B, B, C, D. A, B, B, C, D. Torino 1980. 1980, c'est aujourd'hui. Attends, t'as pas un bouquin qui s'appelle Torino 1980? J'ai l'annuaire téléphonique, oui. Attends. J'ai l'annuaire téléphonique. Les petits machins, ok. Ok, d'accord, j'ai compris, d'accord. Ok, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Oui, c'est bon. Oui, A, prénom, F, non, oui, évidemment. Et c'est le huitième chiffre de machin. Huitième de AF. Bon, attends, il faut que je me le note, ça, quelque part. Attends, je vais me le noter, ça. Je vais me le noter là. Donc, AF8. AF8. Merde. 8. BC9. BD7. CA8. Et DA9. Ah ouais, dis donc. Alors, du coup. Ça. AF, c'est combien? 8.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, c'est 2. Ensuite, c'est BC9. Barone Thiro. C'est ça, il n'y en a pas d'autres. Barone Thiro, c'est le 9, donc c'est le 2 encore. Quoi d'autre? BD7. BD, c'est Daniel, et 7, c'est le 5. CA8. CA8, c'est le 7. DA9. DA9, c'est le 9. Et voilà! Merci beaucoup. Merci pour la petite astuce. Du coup, ça fait 2, 2, 5, 7, 9. Ce qui veut absolument rien dire. Si, 22 mai 1979, à la limite. Ah! Je me suis raté? Pour le premier chiffre, t'es pas d'accord? Ah. AF8. AF8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est 1, pardon, excusez-moi, autant pour moi, my bad. Pourquoi j'ai fait 2? Con, moi. 1, 2, 5, 7, 9. Donc, c'est le 12 mai 1979, à la limite. 12 mai 1979. Yeah! Oh putain, con. Je fasse un truc? Merde! Ah ouais, d'accord! Putain, j'ai libéré le diable. Putain. Oh là là, le gros screamer. C'est quoi cette musique? C'est quoi cette musique? Bien, ok, franchement, on va s'arrêter là. On va continuer peut-être, un jour ou l'autre, je sais pas quand. Il était sympa celui-là. Du coup, il va falloir que je m'enfuisse et... M'enfuisse ? Ouais. Il va falloir que je m'enfuisse, je m'en fous. Et il va falloir que je me cache. Du coup, ça va se transformer un petit peu en jeu de chat et la souris. Un petit peu comme Phasmophobia, mais il est bien présent, le monstre. Et du coup, ça, j'imagine que c'est la femme de l'autre qui est disparu. Parce que c'est trop... Elle est trop vieille pour faire sa fille, quoique... Je sais pas. Bref. T'aurais dit la fille, toi? Ouais, c'est possible. La fille qui est morte, et du coup, il a essayé de la ressusciter, peut-être. Ouais. Ouais, c'est possible. Je sais pas. Du coup, je vais m'arrêter là, parce qu'il est déjà une heure. C'était... Franchement, c'était mitigé. Première impression, c'était quand même un peu cool, mais ça a vite déchanté quand ça s'est transformé en script land. Mais bon, on va voir ce que ça donne dans le deuxième épisode. J'espère que ce sera un peu moins script land, un peu plus évident à trouver. En tout cas, ouais, on peut dire que j'ai hâte de voir ce que ça donne par la suite. Le mid-game était relou, ouais, franchement, moi qui croyais que le jeu était buggé. C'était juste le script que j'ai pas déclenché, en fait. Mais bon. Ils auraient pu aussi cacher un petit truc dans un coin sombre d'une chambre. Ça aurait été pareil, quoi. Je vais m'arrêter là, du coup. Donc, demain, coop, on continue DOS avec Dekingo. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, bonne matinée, bonne journée demain. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut, ciao !